Ah ah. Obi. Maman. Maman, s'il te plaît. Organise-toi. Hein? Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Obi. Obi. Hey. Organise. Ça peut arriver, oh! Ça peut arriver! Elle a encore chuté! Okundele. Ah, Okundele, la façon dont tu laves cette voiture, un jour tu vas finir par laver la peinture. Akunna Chiemba, ne sais-tu pas qu'une voiture propre montre que tu es un parfait gentleman? Regarde-toi, je sais où tu vas en venir. Mais tu sais, je n'ai même pas un centime sur moi. Akunna Chiemba, pourquoi tu te entends parler comme ça? Ah, mais je dis la vérité, non? Je dis la vérité. Ok, tu sais quoi? Tu sais que tu es ma personne. Hein? Okundele. Ok, ouvre la portière arrière. Il y a un sac plastique là. Prends, je te c'est pour toi. Akunna Chiemba! Oh, pour moi, non, comme moi! C'est vrai que j'avais quelque chose pour moi. Ah, c'est pour toi, tu es ma personne. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu peux hein? Ah non, 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 c'est pas celui-là. Je peux pas te donner celui-là. Hein? C'est pas pour les gens comme toi. Il y a un autre là, un peu plus gros comme ça. Apporte ça. L'autre là est vraiment gros, non? Voilà. Tu peux le prendre. C'est pour toi. Ah, que vais-je faire avec du pain? Je n'ai même jamais bu ces choses-là et toi, tu me parles de thé. Mais tu peux utiliser de l'eau, non? Akunna Chiemba, honnêtement, tout ce que tu fais là, ça ne te ressemble pas. Eh non, regarde-toi, Okinama. Ça ne te ressemble pas, non? Qu'est-ce que veut faire avec le pain? Akunna Chiemba, je ne veux pas le pain. Okundele. Jette d'abord ça. Si tu ne veux pas manger ça, allez, remets ça dans ma voiture. S'il te plaît, où est ce garçon? Aruna, viens enlever le souci. Akunna Chiemba, tu es en train de sortir? Je sors. Akunna Chiemba, même la Bible condamne ce pain. La Bible dit que l'homme ne mangera jamais le pain simple. Et tu me donnes le pain. Et tu dis que c'est la même Bible dit, ne donne pas ce que tu n'as pas. C'est ce que j'ai. Et c'est pour toi. Tu n'as pas. Ouvre-moi le portail. Mais faites quelque chose, faites quelque chose. S'il vous plaît, faites quelque chose, faites quelque chose. Pourquoi est-ce que vous attendez toujours que la situation se complique avant de l'amener ici? Combien de fois le docteur vous a-t-il conseillé sur la gestion de cette situation? Il est où le docteur? Il est où le docteur? Il est dans la salle d'opération. Appelez-le. S'il vous plaît. Ma fille est en train de mourir, s'il vous plaît, faites-lui un traitement. Nous ne ferons rien si vous n'avez pas 5000 naira. Allez, commencez ça. Ma soeur est malade, toi, tu me parles de 5000 naira. Commencez ce traitement, j'irai chercher 5000 naira. Monsieur, vous connaissez les règles. On ne peut pas s'occuper d'elle sans argent. Elle est mourante, non? S'il vous plaît, faites quelque chose, non? Parle à cette tortue, parle à cette infirmière. Je vais te voir d'ailleurs, Grégué. Fais d'abord quelque chose, non? Oh mon Dieu! Je suis fini, oh! Je suis fini! S'il vous plaît! Apportez l'argent! Apportez de l'argent! Nous ne pouvons rien sans argent! S'il vous plaît, infirmière, je vous en supplie! S'il vous plaît! Infirmière, faites quelque chose! Faites quelque chose, non? Cheta! Yelka nous a donné 5000 naira. Hein? Oui. Help! Infirmière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Ça va, maman. Ça va, ça va. Infirmière, commencez le traitement, non? Je dois compter votre argent. Mais ton argent est complet. Infirmière, allez-y, non? Maman, 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 hein? Maman, 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 maman. Vous savez qu'elle a l'AVC. Vous lui avez fait manger toute la route jusqu'ici. N'avez-vous pas de cœur? Je n'aime pas votre façon de parler. Maman. Tu sais quoi, infirmière, amène-la à l'intérieur. Amène-la à l'intérieur. Elle doit être hospitalisée, non? Elle doit être admise, mais comment? Oui. S'il vous plaît, infirmière, s'il vous plaît. Venez d'abord les examiner, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas des vraies personnes. Vous n'êtes pas des vraies personnes. Vous n'êtes pas des vraies personnes. Mais là, d'abord à l'intérieur, qu'est-ce que tu veux dire par payer pour payer avant d'être admise? Vous n'êtes pas les premières personnes ici. Hein? Apportez l'argent, je mets votre mère à l'intérieur. Combien ça coûte? Dis-moi. 10 000. 10 000. Ok, mets-la à l'intérieur, j'irai chercher cet argent. Votre mère mourra ici. S'il n'y a pas d'argent. Ah! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ce n'est pas besoin de ton père. Ta mère mourra aussi. S'il te plaît, écoute-moi. Sortons là-bas, nous chercher, ok? Tout ceci me sert, s'il te plaît. Sortons, allons-y. S'il vous plaît, Sabina. Allons-y. S'il vous plaît. Il a dit. S'il vous plaît, Fimien, commencez à vous occuper dès lors qu'on arrive, s'il vous plaît. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Maman, maman ne me fais pas ça. Tu es bien. Tu es trop gentille. Maman ne fais pas ça. Réveille-toi, infirmière. Ferme ta bouche. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatigué. C'est-à-dire? Si ce n'est pas Obiageli qui fait une rechute, c'est l'hypertension de ma mère. Je suis fatigué. Cheta, c'est pas de leur faute. Est-ce la mienne? Je n'ai pas d'argent. June, même toi, tu n'en as pas. Parce que je sais que si tu en avais, tu allais me le donner. Dieu merci, tu le sais. Bien sûr que je sais. Écoute, nous devons arrêter de nous lamenter et chercher simplement des solutions. Si ce n'était pas ces policiers qui nous ont arrêtés cette nuit-là, au Qatar, tout ceci ne serait pas arrivé. Ces gens iront certainement en enfer. La vérité est que je suis actuellement le père de la maison. Mon père n'étant plus là, je ne peux pas laisser ma mère et ma sœur mourir. Ça, je ne le supporterai jamais. Jota, Oyenka, où est-ce que c'est même passé depuis, non? Les gars, je vous ai déjà cherché partout. J'ai fouillé partout dans le village. Vous n'êtes nulle part. Vous êtes seulement tout comme ça, non? Ah, toi-même, regarde. Regarde. Merveilleux. Merveilleux. 5 véhicules déjà. Regarde l'autre. Il a réussi. Sans doute, il en a vraiment. Hey. Une belle maison. Regarde les murs. Toi-même, regarde le portail. Regarde. Même le lézard ne peut grimper ce genre de maison. Ah! Oui. Hey, il est là. Il est là. Hey. Waouh! Quelle belle voiture! Waouh! Vraiment! Waouh! Waouh! Au fond, ne nous as-tu pas vu? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Mes oncles, tout va bien. Si vous allez chez quelqu'un et que la personne n'est pas là, vous repartez. Et non traînez là à attendre. Viens à l'intérieur. Hey. C'est encore quoi ça? Mon frère. La vie n'est qu'une succession de surprises. Et les jeunes d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Le feu Ozomewa, ton oncle et notre frère, était un notable et bien respecté. Bien respecté? Ça, c'est quand il est en vie. Oufoua, tu as changé complètement. Hein? Tes paroles, ces jours, laissent à désirer. Je dois te le dire. Je dois être honnête avec toi. La mouche qui n'a pas de guide finit toujours par suivre le corps dans la tombe. Toi, maintenant, je suis une mouche. Non, il a seulement dit un proverbe. Ça, c'est un proverbe. Oufoua, tu as refusé de venir faire le programme du deuil. Petite correction, mon oncle. Je n'ai pas refusé de venir. J'avais une réunion très importante, une réunion d'affaires. C'est pour cela que je ne suis pas venu. D'accord, d'accord. Regarde ceci, prends-le. Que signifie tout ceci? Tu sais, il n'y a que toi et les deux fils du défunt Ozo qui avaient une bonne situation financière dans notre famille. C'est pourquoi nous avons décidé que tous les trois fassions le deuil. Qui a décidé? Les anciens dans la famille. $1 200 000 naira. 400 000 naira pour chacun. Oui. Combien d'enfants est-ce que mon oncle a laissé derrière lui? Ils sont 7. 7. J'ai posé une question. Tu sais qu'ils sont au nombre de 7. Donc? Bien. Combien d'entre eux sont encore à l'école? Et combien sont sur le point d'entrer à l'école? 3 sont encore à l'université. 3. Bien. Je n'ai pas de problème avec ma participation. C'est ça. Oui, parce que je peux même aller emprunter pour me rassurer que cet argent soit payé. Voilà qu'on t'entend. Mais permettez-moi d'être honnête. Si je vous donne 400 000 naira pour l'enterrement, ça c'est l'argent que j'ai mis de côté pour l'université. Tu dis même quoi exactement? Ai-je de l'eau dans ma bouche? Non. Ce que j'essaye de dire, c'est que l'argent qui est prévu pour les vivants, je vais vous le donner pour que vous alliez préparer les obsèques. Je vais vous donner cet argent, mais laissez-moi être honnête avec vous. Si je vous donne à vous 400 000 naira, et après l'enterrement, je ne voudrais plus voir quelqu'un ici. Pour aucune assistance. Emanas na anawante ntanoro. Ça signifie quoi? Tu parles de quoi là? C'est quel genre de proverbe ça? Je suis désolé. Je suis désolé. S'il te plaît. Aguantinti, Anoro, Bopiti et tout ça. Tous ces trucs, tu sais, il faut que tu ailles d'ailleurs, tu te poyais. Je veux pas de ça ici, s'il te plaît. Je suis vraiment navré. Excusez-moi. Oh, l'ékelekpo. Mais que veut dire ça? Je comprends même pas ce que ça garçon devient. S'il vous plaît, je veux que vous attendiez ici. Il faudrait que j'informe mon ami pour lui dire que je viens avec des gens. Je sais comment il se comporte. Et je ne voudrais pas le compromettre. Oh, j'arrive. Et on est dans son camp, non? Non, il n'y a aucun problème. J'arrive. Hé, hey, toi, c'est toi qui trompes. Fous-moi, arrête de le tromper. Quel est ton problème, hein? Je n'aime pas insulter mes aînés. Et ne me donne pas une raison de t'insulter. Comment peux-tu dire que moi, Okundele, est celui qui trompe Oufoua, le Kongwa? Au cas où tu ne le connais pas très bien, Akunna Chiemba, parce que c'est comme un dieu. Personne ne peut le tromper. Mais comment on laisse passer? As-tu écouté comment tu l'appelais? Un dieu en propre, Oufoua de Gongwa, Akunna Chiemba. Les grands noms qu'on ne donne pas aux petits chefs. Quel est ton problème? Arrête-le. Maintenant, je comprends que tu ne le connais pas très bien. Parce que Akunna Chiemba, Oufoua de Gongwa, est un dieu vivant. Excusez-moi. Arrête ça! Ça veut dire quoi? Viens ouvrir le portail. Dépasse-toi! Oh, ouvre ça! Tu feras. On va se saucer comme ça. Jota. Onyeka, s'il vous plaît. Ne vous sentez pas offensé. Tenez-vous tranquille, il n'y a pas le feu. C'est comme ça que les vieux là sont. Ils entrent ici, ils font comme. Ils s'aiment pas, ils s'annoncent pas. C'est pour ça qu'ils aboient comme des chiens. J'arrive, je vais l'informer. J'arrive. Oufoua Nokonwa, Akunna Chiemba, Akata Kiyongwi, Odogu. Tu comprends même tout ce qu'il fait là, moi je comprends. Non, je pense pas, je crois qu'on va attendre un peu. J'ai entendu ce que tu as dit. Laisse-les venir. Oui, fais-les entrer. Que je les fasse entrer. Es-tu sûr que tu veux qu'ils entrent? Okundele, c'est quoi ton problème? Fais-les entrer. Je sais ce que je dis. Ok. Tu sais ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis pas? Tu sais ce que tu dis. Attends. Oufoua. J'espère que tu ne les fais pas entrer pour que tu les racontes tes conneries. Je t'en prie, c'est de très bons amis à moi. Okundele, pourquoi leur as-tu demandé de venir d'abord me voir si tu n'as pas confiance en moi? Y a pas de problème. C'est ce que je veux pas que tu les chantes ton hymne national. Désolé. Oufoua. Il m'a tout raconté, tout ce par quoi vous êtes passé. Mais qu'en est-il de ton oncle? Tes cousins... Tu es supposé avoir quelqu'un qui pourrait t'aider. Au fond, moi, je n'ai personne. C'est l'une des raisons qui nous amène chez toi. Tu n'as personne, hein? Et je sais que ton père avait quelques biens qu'il a laissés. Environ 1 ou 2 parcelles de terrain. Tu peux au moins vendre ça et commencer quelque chose, non? À partir de là, tu peux commencer quelque chose. Oufoua, merci. Vraiment, merci beaucoup. Nous sommes venus chez toi. Oufoua, tu nous as fait attendre à l'extérieur. Avec son aide, tu as accepté de nous recevoir. Maintenant que nous sommes là, tu ne nous invites même pas à prendre place au salon. Pas de place assise, pas de pour les gens qui sont venus te voir pour la première fois. Et tu es là à me poser des questions. Et cela me prouve clairement que tu ne veux pas m'aider. Donc je peux pas rester là. Allons-y. Jota. Vous voulez dire quoi? Écoutez, laissez-moi vous dire les gars. Vous savez pourquoi le gars ne veut pas donner d'argent? Pourquoi? Si jamais il donne de l'argent à quelqu'un, je vous dis, il mourra. Je vous le jure. Je ne comprends pas. Comment? Écoutez, Jota, écoutez-moi, Oufoua est un bon ami. Écoutez-moi, il est allé voir un faiseur d'argent ritualiste qui l'a rendu si riche. C'est lui qui l'a rendu si riche, je vous dis. Mais écoutez, je vous dis un truc, hein. Vous pouvez aussi être comme lui. Au Corélé, je pourrais jamais être comme Oufoua. Je suis pas en train de raconter des conneries. Tu peux devenir comme Oufoua, tu peux avoir le genre d'argent qu'il a. Que veux-tu dire? Attends, je t'explique de façon que je puisse comprendre. Sais-tu que nous pouvons aller chez le même tradit praticien et nous rendre riches? Il nous aidera à devenir riches comme Oufoua. Et nous donner le même argent qu'il a donné à Oufoua. Écoute, Okundele, je ne pourrai jamais de toute ma vie m'associer au ritualisme. Encore moins le devenir. Je ne le ferai jamais. Je suis parti. Oh, Onyeka, merci Dieu que tu sois là. Écoutez, il y a un moyen de le faire. Nous devons aller sur le même tradit praticien qui a rendu Oufoua riche. Onyeka, attends. Gentille fille. Si tu finis cette nourriture, je te donne autre chose, hein? Ah, vous êtes là? Qu'est-ce qui s'est passé? Grand frère. Comment tu vas? Je vais bien. J'espère que tu vas mieux. Oui, grand frère, et je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Quand rentrons-nous? Pas encore. Tonton Onyeka, bon après-midi. Bonsoir, comment tu vas? Bien. C'est bien. Tu te remettras bientôt sur pierre. Merci. Tu es en train de manger? Oui. Ok, finis ta nourriture. Docteur, êtes-vous venu avec une avance? Ça veut dire que vous devez rentrer avec elle immédiatement. Docteur, je vous en prie. Que se passerait-il si ça s'aggrave là-bas? Vous auriez dû penser à ça et venir avec une avance. Nous faisons tourner cet hôpital avec de l'argent. Docteur, je sais que je peux mourir. Mais s'il vous plaît, ne tuez pas mon fils pour moi. S'il vous plaît. Il a assez souffert pour sa famille. Écoutez, c'était dans le processus de sa vie de sauver la vie de sa famille qu'il a eu un accident qui a affecté ses pieds. Regardez sa condition. Maman, tu vas pas mourir. Rien ne va t'arriver. Madame, le tuer? Comment? Je sauve des vies. Je ne tue pas. Docteur, mon fils ici ferait n'importe quoi pour sauver la vie de sa chère mère. Il a toujours fait ça. S'il vous plaît, ne blessez pas son cœur avec des marques. Il m'est un merveilleux fils. Ok? Jeune homme, je suis désolé. Ramène-la à la maison. Docteur, je vous en prie, donnez-moi un peu de temps. Alors, qu'est-ce que tu dis? Akunna Chiemba, je suis pas content de toi. Donc tu veux dire qu'après que j'ai fini de te supplier, tu as quand même réussi à m'embarrasser devant mes amis? Alors c'est pour cette raison que tu n'es pas content de moi? N'ose même plus dire cela. Vaut mieux pour toi que tu changes ce sujet maintenant. Si tu le redis encore, je vais te chasser de chez moi. Je suis désolé. Jeta et Onyeka sont mes amis. Mais tu sais, tu es également mon ami. Ce sont ses amis. Change ce sujet. Bien. Je l'ai vu quand je rentrais ici. Tu as vu qui? Sabina. Qui d'autre? Va la chercher, non? Hein? Agunetimba. Dieu a créé le ciel et la terre avec sa parole. Dieu me dit que tu ne sois pas Dieu. Comme ça, tu ne seras pas simplement, va l'appeler et elle viendra ici. Donne-moi l'argent et je vais la chercher. Je te donne de l'argent pour que tu ailles me ramener une femme? Bien sûr. Non, non. Toi, va la chercher et moi, je veux continuer le reste de moi-même. Faut pas quel même ton problème. Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Hein? Pourquoi est-il si difficile pour toi pour que tu aides un ami? Regarde comment je suis. Es-tu content de me voir ainsi? Les choses sont vraiment dures. C'est dur partout. Oufoua, que les choses sont dures. Je suis pas surpris parce que tu chantes la même chanson tout le temps. C'est le même disque. Ton hymne national là. Je te pose une question. Rappelle-toi que je t'ai supplié pour que tu m'inities à ton genre d'affaires. Mais qu'ai-je obtenu en retour? Mais tu sais que tu peux pas faire mon genre de business. J'ai vu ton esprit. Tu peux vraiment pas faire ça dans mon genre de business. Oufoua. Mais c'est vrai. Je ne peux pas faire ton genre d'affaires. Bien sûr. Un jeune handicap. Tu m'as toi-même dit que ton maître t'a libéré avec 30 000 naira après avoir servi pendant 10 ans. Et tu me dis que je ne peux pas faire ton genre d'affaires. Aïe! Exactement. Tu as raison. Et avec ces 30 000 naira, tu as su t'y prendre. Tu as géré pour survivre. Maintenant, regarde à quel point tu as grandi. C'est le dur labeur. Ah! Donc Okundele ne peut pas utiliser la même somme d'argent et le multiplier exactement comme tu l'as fait. Nous sommes en train de dire la même chose. Dans ce cas, tout l'argent que j'ai à te donner, toute la monnaie que j'ai souvent à te donner, tu es supposé déjà avoir gardé mon 30 000 naira pour faire... Hey! Pourquoi est-ce que tu cries? Oufoua. Es-tu en train de me dire que depuis tout ce temps, tu prenais vraiment en compte toute cette petite monnaie que tu me donnais ici dans cette maison? Toute cette petite monnaie. Hein? Est-ce que ça vient du ciel? Toute cette petite monnaie. J'ai souffert comme ça. Pour l'avoir. Pour faire ça. Alors? Tout ce que tu fais là, c'est juste. Je sais pas pourquoi tu es en train de perdre du temps. Tu sais que tu es commissionnaire de profession, donc. Va faire ce que tu sais faire le mieux. Va me ramener cette femme. Hmm? C'est très simple. Pas de problème. Je vais faire comme tu l'as dit. Je veux l'argent. L'argent quoi? Bien sûr que j'ai besoin d'argent pour aller la chercher. Toi, hein? Tu aimes trop l'argent, tout le temps tu demandes de l'argent. Ah. Les choses sont vraiment dures. Offre-moi. Wanabu. 400 naira. Ce n'est pas de l'argent. Ça ressemble au papier. M'as-tu demandé d'aller acheter les oignons ou alors d'acheter les crevettes? Ah. Est-ce l'argent pour que j'aille chercher? La fille dont son matin de parler. Odé, utilise ça, non? Quel est-tu de l'argent qu'il y a dans ta poche gauche? Obodele, comment tu sais que j'ai de l'argent dans ma poche? Je suis peut-être aveugle. Pardonne-moi l'argent qui est dans ta poche. Là. J'ai quoi? Tu bavardes trop. Les choses sont difficiles. Et pourquoi est-ce que tu es comme ça? Allô? Oui, Emma? Ok, j'arrive maintenant. Donne-moi juste... Ok, dans les 5 prochaines minutes, je serai là. Ou alors même dans 4 minutes. Ok, non. Merci beaucoup. Ok. Ah. Comment tu vas? Tonton, je vais bien et toi? Oh, c'est la grâce à Dieu. Ah, et l'école? À l'école, ça va. Regarde Precious, regarde Precious. Qu'est-ce que tu donnes dans cette école pour que tu aies si belle? Tonton, rien. L'école est tellement stressante. L'école est stressante. Je souhaiterais tellement être dans cette école pour que je prenne un peu de stress. Ne saute pas ça. Oh, bienvenue. Merci. Mon oncle est là. Oui, il est là. Viens, entrons. Hey, Precious. Hey, bonsoir, hey. Tonton. Precious, comment vas-tu? Je vais bien, tonton. Mais tu m'as pas dit que tu venais chez moi. Tonton, c'était l'urgence du voyage. L'urgence du voyage? Oui. Qu'en est-il de ta mère? Elle va très bien, mais c'est pas que je suis ici. Ok, pourquoi tu es ici? Tonton, c'est à propos de ma scolarité. Les examens commencent la semaine prochaine et je n'ai même pas encore payé. Tu n'as pas payé ta scolarité? Oui. Ta mère ne t'a pas donné ton argent de scolarité? Hein? Ok, laisse-moi l'appeler. Non, non, tonton, non, s'il te plaît, ne l'appelle pas. Elle m'a donné de l'argent, mais je l'ai perdu. Je ne veux pas le lui dire. Ça lui brisera le cœur. Precious. Tonton. Dis-moi la vérité. Qu'est-il arrivé à ton argent de scolarité? Mais tonton, je te l'ai déjà dit, je me suis fait voler. Cet argent, crois-moi, c'était une expérience terrible, vraiment terrible. C'est bon, sans problème. C'était une expérience terrible. Laisse-moi appeler ta mère. Tonton, je vais te dire la vérité. Tonton, j'ai acheté un écran plasma et un réfrigérateur. Tonton, tout le monde à l'école a ses appareils et maman refuse de m'en acheter. Donc j'ai utilisé cet argent pour acheter ça. Mais ça veut dire que tu n'as pas de problème. Tu as simplement fait un choix. Tu as choisi ce qui était plus important pour toi, qui est de boire de l'eau fraîche et regarder tes films. Tu sais quoi? Si tu réalises que ton examen est plus important pour ta vie, il serait mieux que tu ailles remettre ces équipements où tu les as achetés. Ramène-les chez eux, récupère ton argent et va payer ta scolarité. Mais tonton... Tonton... Precious, que s'est-il passé? Tonton, pourquoi tu utilisais ton argent pour un téléviseur et un réfrigérateur? Tonton, tout le monde à mon école a ça. Pourquoi est-ce que mon cas devrait être différent? Oh, tu les as achetés avec l'argent de ta passion. Maintenant, dis-moi, ce téléviseur et ce réfrigérateur font-ils partie de ton examen? Ah, tonton, qui a même quoi de trop terrible à ça? Tonton, il va aller à l'intérieur, il va me dire comment il veut. Tu as utilisé ton argent pour t'acheter un téléviseur? Ogoïaka. Maman. Où est Opé? Elle va bien, ça va maintenant. Mais elle dort encore. Maman, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, ma, et toi? Je vais bien. Où est Cheta? Maman. Cheta va bien. Il est juste sorti chercher de l'argent. Et Dieu, s'il te plaît, protège encore mes enfants. S'il te plaît. Maman, s'il te plaît, détends-toi un peu. Tout ira bien. Je vais rejoindre Cheta. Je reviens. Maman, ça va aller. J'arrive. Ok. J'arrive. Ok. Maman, laisse-moi lui parler. J'arrive. Ok. D'accord. Chi. Oui. Chi, s'il te plaît, prends cet argent, ok? Dans le cas où maman aurait besoin de la nourriture, des fruits, sers-toi de ça, ok? Chérie, tu n'as pas besoin de tout. Arrête, non! Est-ce que je ne fais pas partie de cette famille? Ok. Bien sûr que tu l'es. Si c'est Cheta, serais-tu en train de dire non? Non. Tu me donnes l'impression que je ne fais pas partie de cette famille et je n'aime pas ça. D'accord, je suis désolée. C'est bon, garde d'abord cet argent. Je t'en supplie, ok? D'accord. D'accord. Sois prudente. D'accord. J'arrive. Attends. Akuna Chiemba, es-tu sûr de ce que tu viens de dire? Obiageli, c'est quoi ton problème? Ai-je de l'eau dans ma bouche? Va appeler ton ami, dis-lui de venir. Je vais lui donner de l'argent pour qu'il aille sauver sa famille. Toi? Pour qui me prends-tu? Lucifer? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais je sais ce que je dis. Dis-moi, tu pensais à ça avant de le dire? Mais quoi? Ok, attends, je vais te demander ceci. Si tu savais que je n'allais pas leur donner l'argent, pourquoi les as-tu amenés ici? Simplement pour qu'ils puissent essayer les moyens que les autres personnes ont essayé. Oh bien. Ils ont essayé. S'il te plaît, va les appeler. Es-tu vraiment sûr de ce que tu dis? Eh bien, dans ce cas, je cours rapidement chez eux les appeler avant que tu ne changes d'avis. Parce que je connais. J'arrive. Okundele. Cheta. Onyeka. Comment vont-elles? Cheta, elles vont bien. Obi se sent mieux. Qu'en est-il de maman? Maman. Maman est toujours inconsciente. Hey. Cheta, maman a besoin de traitement. Je sais. Oh Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'allons-nous faire maintenant? Je viens de me rappeler que j'ai un ami à Ongoyaka, Linus. Linus. C'est le même Linus que je connais. Eh oui. J'essaye de l'avoir au téléphone. Mais ça ne passe pas. Mais je dois prendre le risque. Tu veux te rendre à Oka? Oui, non. Je peux pas rester ici et voir mes gens mourir à l'hôpital. Il faut que je parte. D'accord, dans ce cas, j'irai avec toi. Non. L'agent que j'ai ne pourra pas nous amener à Oka. Et si on arrive là-bas, on ne le trouve pas chez lui, on sera bloqué. Ok, j'ai 500 naira sur moi. Oh. Onyeka, tu es vraiment un ami. Tu es un très bon ami. Cheta, Ta famille, c'est ma famille. Ton problème, c'est mon problème. Ok. Oh. Je sais. Doka, tu sais que je t'apprécie beaucoup. Pas seulement parce que tu es mon frère. Si tu veux vraiment épouser Shoma comme tu le dis, s'il te plaît, je veux que tu te dépêches. Mettons fin à cette ignoble pauvreté. S'il te plaît. Je comprends. Oh, je ferai de mon mieux. Fais-moi confiance, je me battrai. Ok, allons-y. Ok, allons-y. Tu as mangé? J'ai pas faim. J'avance, hein. Watching this life will do me because of money. Watching this life will do me because of money. This life will. Jota, 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 Jota. Regarde ça, Jota, Jota. Jota! 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 Hey! Où est-ce que ça a encore passé ce matin, non? Jota! Oh! Oh, c'est même pas, non? Oh. Ah, c'est bon. Hey. Jota! Jota! C'est qui? Oh, Godenim. Qui? Dis donc, allons-nous-en. S'il vous plaît, un peu, excusez-moi. Je cherche quelqu'un. Qui? La mère de Jota. Cheta. Est-ce la dame qui venait d'être hospitalisée? Oui, 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 c'était. Celle qui est venue avec son... Oh oui, ça c'est Djugo, oui. Ah, ok. Je vous en pose sont-ils? La chambre d'à côté. Ok, celle-là. Oui. Merci, merci. Bienvenue. Merci. Maman, comment vas-tu? Je vais bien, mon fils. Comment est-ce que tu réagis au traitement? Je n'en sais rien. Et dis-moi. Ouais, Jeta. Je ne sais pas. Il est sûrement quelque part. Ça ira, maman. Ça va aller, maman. Maman, s'il te plaît, excuse-moi. S'il te plaît. Je peux te voir? Dehors. D'accord. Maman, je reviens, d'accord? Ok. Mon ami a demandé que j'aille appeler Cheta pour l'agent. Quel agent? Oh, désolé, je te l'ai pas dit. J'ai amené Cheta et Onyeka chez un très bon ami à moi hier. Cheta m'a dit qu'il avait urgemment besoin de 20 000 naira pour les frais d'hospitalisation de ta soeur et de ta mère. Mais quelque chose s'est passé. Mon ami s'est tellement mal comporté au point que j'étais sorti de la maison. Et alors? Honnêtement, je ne sais pas ce qui est arrivé à mon ami ce matin. Il m'a appelé. Il m'a dit au Okundele, s'il te plaît, va appeler tes amis qui étaient ici à la maison hier. Alors, j'ai couru chez vous. Jota n'était pas là. Je n'ignore même où il est passé. J'ai même utilisé mon dernier crédit que j'avais dans mon téléphone pour les appeler. Je me demande bien s'ils pensaient que j'étais un esprit ou un fantôme. Non pas décrocher mes appels. J'ai décidé de venir ici à l'hôpital, non? Pour voir s'ils sont là. Honnêtement, je ne sais même pas là où ils sont. Jude. Ce que j'ai vu là à l'intérieur. Et l'état dans lequel j'ai vu ta mère. On ne prend pas bien soin d'elle ici. On ne lui donne aucun traitement. Rien du tout. Et ils ne vont lui donner aucun traitement. Jusqu'à ce que nous déposions une partie de l'argent. Je ne sais quoi faire. Je ne sais pas comment cela pourrait paraître si je te le dis. Que ça ne soit pas comme si je suis là pour raconter des histoires. Peux-tu venir avec moi chez mon ami? Ainsi tu pourras récupérer cet argent. Venir avec toi? Et pourquoi devrais-je venir avec toi? Pourquoi tu puisses commencer le traitement de ta mère, non? Ce que j'ai vu à l'intérieur là-bas, cette femme n'est pas qualifiée pour... On ne prend pas soin de ta mère ici, oh. Cet endroit n'est pas un restaurant, encore moins un bar. Elle n'est pas ici pour une partie de plaisir. On doit prendre soin d'elle. Ok. Je pense que tu as raison. Mais pourquoi devrais-je laisser ma maman à l'hôpital et te suivre? Cheta n'est même pas là. Je me disais même si je pouvais partir avec toi pour aller la préparer quelque chose à manger. Voici ce que je pense. Pourquoi ne peux-tu pas demander à ton ami de te donner cet argent pour que tu nous l'apportes? Hein? Tel au fond moi... Oh, pardon. Écoute, tu ne connais pas mon ami. Lorsque Oufoua te donne de l'argent, c'est comme demander au diable d'aller à l'église pour payer la dîme et les offrandes. Il ne se fait pas confiance. Écoute, Oufoua ne fait pas confiance à sa main gauche, pour ne pas parler de la main droite. Voilà comment est mon ami. Oufoua ne peut pas me donner de l'argent pour que je te l'apporte. Si je suis ici, c'est pour que Cheta ou toi venez prendre cet argent. Puisque Cheta n'est pas là et qu'il ne répond pas aux appels, pourquoi ne viens-tu pas avec moi? Afin que tu prennes cet argent et que tu m'aies occupé de maman. Maman est en train de mourir là-bas. Oh. Maman est en train de mourir. Essaie de faire tout ce que tu peux. Débrouille-toi à trouver n'importe quelle excuse pour donner à maman. D'accord. Pour qu'elle puisse te permettre de venir prendre cet argent. Tu pourras lui dire que tu voudras aller faire la lessive ou même tu vas aller prendre les médicaments chez l'infirmier et que tu ne reviendras pas tout de suite. Pour que tu puisses aller prendre l'argent et que tu reviennes. Voilà, c'est tout. Tu as dit que l'argent était combien? Je t'ai dit qu'il fallait 30 000 naira. Je sais pas s'il a augmenté quelque chose dessus. Mais je connais très bien mon ami, je sais qu'il ne peut pas donner plus de 20 000 naira. D'accord. Je comprends. D'accord. Alors j'attends ici. Juste attends-moi ici. Hein? Je veux pas que tu me prennes pour un fou parce que j'ai l'impression que tout ce que je dis c'est des conneries. Juste attends-moi là, j'arrive, je vais aller lui dire. Hein? Que je vais pas entrer, juste pour que tu arrives. J'arrive. Comme ça moi oui. J'attendrai ici dehors. Oui, attends-moi là, j'arrive. Hein? Entre. Attends-moi là, j'arrive, d'accord? J'arrive. Odogu! Ha! Au fond, moi, encore moi! Chugo! Hein? Tiens, ma chérie. Tu as répondu à ta prière. C'est 20 000 naira. Eh Seigneur Jésus. Eh Dieu, cet homme est vraiment bien. Il est vraiment très gentil. Honnêtement, Je n'attendais pas quelque chose comme ça de sa part. Il a vraiment changé, c'est étonnant. Bien, va avec l'argent et prends soin de ta mère. Je vais le voir à l'étage. Oh oui. Tu as dit que je parte. Que veux-tu dire pas? Tu as dit que je parte. Prends place, non. Attends qu'il vienne. Attends qu'Ofouma vienne te servir à boire. N'es-tu pas supposé aller à l'hôpital avec cet argent pour qu'on puisse commencer le traitement de ta mère? S'il te plaît, désolé, je ne voulais pas te vexer. S'il te plaît, mais je ne peux pas rentrer comme ça. Est-ce que je peux au moins le voir pour le remercier? Pourquoi voudrais-tu le voir? Si c'est à cause de cet argent ne représente rien pour moi. Cet argent ne représente rien pour lui. Oui, c'est vrai. Mais tu sais que cet argent est beaucoup pour moi et ma famille. Ça nous aidera et tu le sais. Et maman serait très fâchée envers moi. Quelqu'un me donne une telle somme d'argent et je n'arrive même pas à voir la personne pour lui dire merci, s'il te plaît. Bien, puisque tu insistes. J'insiste, s'il te plaît. Bien, assieds-toi. Assieds-toi simplement. Je sais pas pourquoi. Je m'assieds ici. Je sais pas pourquoi tu restes beau comme un soldat. Assis. Non, rien. Assieds-toi, je vais aller l'appeler. Hein? D'accord. Ofoua Nokonwa. Hi. Odogo. Ah. C'est qui ça? Entre. Ogodole, c'est quoi encore? Ofoua. Est-ce que tu sais qu'elle est encore en bas en train de t'attendre? Pourquoi? Écoute frère, j'ai tout fait pour la convaincre de partir et d'aller prendre soin de sa mère avec l'argent que tu lui as donné. Mais elle insiste de te voir. Il faut qu'elle te voie avant. Elle était très sérieuse à propos de ça. Ça veut dire que c'est vraiment important. Ça, c'est ce que tu crois? Je la verrai. Tu viens? Oui, j'arrive maintenant. Eh bien, dans ce cas, descendons alors. Et comment c'est ici? Tu es en train de boire, tu es là en train de boire là quand t'attends en bas. Comment toi, hein? Hey! Notre amitié ici, je me demande si on a divisé le bon et le mauvais côté. Toi, tu as choisi celui-là. Vraiment, tu es terrible. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Monsieur, je suis désolée. C'est bon. Mon nom, c'est Oufouma. Nokonwa. Je m'appelle Chugo. Chugo. Oui, monsieur. Très joli nom. Merci, monsieur. Monsieur, je voulais juste vous dire merci. Pourquoi? Pour l'argent. Pour l'argent que vous m'avez donné. Ah. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire pour ma famille et moi. Merci. Mais non, lève-toi, lève-toi. C'est rien. Ah, c'est bon. Hein? De rien, hein? Merci beaucoup, monsieur. Bien. Bon, il faut que je commence à partir. On m'attend à l'hôpital avec cet argent. Bonne chance, hein? Merci, monsieur. Ok. Viens. Je t'en prie, hein? Sois prudente avec cet argent. D'accord. Surtout de tous ces mauvais garçons. D'accord. Hein? Merci, monsieur. Sois prudente, hein? Djugo. C'est comme ça qu'elle est. Oh, elle est très jolie. Wow. Cette fille, elle est très jolie. Hein. Elle paraît... Au fond, moi. Tu connais pas ce genre-là. Que veux-tu dire? C'est la petite femme de quelqu'un. Dans ce chat, tu as une tête oubliée. Docteur, s'il vous plaît, ne me faites pas ça, s'il vous plaît. Docteur, s'il vous plaît, je vous en supplie. Docteur, s'il vous plaît, je vous en supplie, ayez pitié. Docteur, s'il vous plaît, je vous en supplie, infirmière. S'il vous plaît, docteur. Infirmière. Docteur. Fermez ce pavillon. Oui, monsieur. En fait, nettoyez-le même, parce que j'attends d'autres patients. Oui, monsieur. Docteur, s'il vous plaît, ne nous faites pas ça, je vous en supplie. Regardez ma fille et moi, voulez-vous qu'on meure? Madame, s'il vous plaît, madame, je vous en supplie. Il n'y a rien que je puisse faire. Madame, nous gérons cet hôpital avec de l'argent. Allez chercher de l'argent. Je ne peux rien faire, madame. Docteur, je vous en supplie. Docteur, que gagnez-vous à ne pas nous hospitaliser? Je vous en supplie, mon fils et ses amis sont allés chercher de l'argent. Il viendra sûrement avec quelque chose. C'est ce que vous continuez de dire. C'est ce que vous continuez de dire. Votre fils arrive, votre fils arrive. Madame, je ne peux pas le faire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne peux pas le faire. Docteur, s'il vous plaît, je vous en supplie, ayez pitié. Je vous en supplie. Madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez que vous souffrez de tension artérielle. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Docteur, qu'est-ce qui se passe? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Le docteur nous a fait sortir. S'il vous plaît. Docteur Prene, c'est 10 000 naira. S'il vous plaît, commencez le traitement, s'il vous plaît. Infirmière. Oui, monsieur. Ramenez-la dans le pavillon. Et administrez-lui le traitement. D'accord, monsieur. J'arrive. Hein. Non, ça va, ça va. Ça va. Mon bébé, pourquoi tu te comportes comme ça? Ma femme n'a pas cette façon de se comporter. N'est-ce pas c'est la même chose que tu demandes depuis? J'ai cette petite chose que tu demandes. Je sais que je n'ai pas encore l'argent que tu me demandes de te donner. Mais j'ai un ami. Il est multimillionnaire. Il peut me donner n'importe quelle somme. Du moment où je demande de me trouver cet argent. Écoute, laisse-moi te dire, bébé. Fais comme je te dis. En fait, hein, je vais te présenter à mon ami. Oufoua. Tu connais Oufoua, non? Oufoua va te laver avec l'argent. En fait, il va tout changer sur toi. Avant que tu te rencontres, tu ne te reconnaîtras plus. En fait, même si tu te prends en photo, tu ne te reconnaîtras même plus. C'est seulement le miroir qui va t'aider à te reconnaître. Viens de ce côté. Pourquoi? Pourquoi ton photo s'est ouvert, non? Attends, t'as fermé ça. Regarde, allons un peu de ce côté. Je ne veux pas que quelqu'un nous voie. Désolé, réponds d'abord à ton ami. Okine! Okine! Veux-tu venir ici, idiot? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est quoi ça, non? Pourquoi tu es comme ça, non? Tu es un ennemi du progrès. Tu n'as pas vu que gérer quelque chose de sérieux? Tais-toi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tout ce que tu sais faire, c'est suivre les femmes. Hein? Tout le temps, tu es là à draguer les femmes. Tout le temps, tu dragues. En quoi ça te concerne? Tu dragues le matin, tu dragues dans l'après-midi et tu dragues dans la nuit. Une seule personne. Laisse-moi te demander. Toutes ces femmes que tu dragues là, est-ce que l'une d'entre elles t'a déjà suivi? Hey! Au fond, moi, c'est ce que tu crois? Oh, tu crois que je ne réussis jamais? Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est ce que tu crois. Naya, écoute, laisse-moi te dire ceci. Tu vois tout ce tcho que tu fais là. Si tu fais tout ça à toutes ces femmes-là et que tu n'as pas d'argent, alors sache que tu es en train de perdre ton temps. Elles veulent que tu parles d'argent et non parler. Moi, Oufoua, laisse-moi te dire. Après moi, tu me connais pas bien. Sais-tu ce que j'ai? Qu'est-ce que tu as? Sais-tu pourquoi me cours après? Qu'est-ce que tu as? Oufoua, tu sais pas ce que j'ai. Tu sais pas pourquoi je me cours après. C'est pas ça. Tout ne tourne pas autour de l'argent. Je sais pas pourquoi me cours après. Mon ami, ferme ta bouche, pardon. Attends, je vais te dire. N'est-ce pas le même Okundele qui t'a amené des filles? Ne suis-je pas la même personne qui t'a amené des filles? Maintenant, tu parles. Regarde, le moment où tu mentionnes mon nom, le moment où tu appelles Oufouma, elle commence à venir. Parce qu'elles savent que j'ai de l'argent. Oufouma, pardon, laisse-moi ça. J'ai de l'argent. Beaucoup d'argent. Tu ne donnes pas tout l'argent, mon frère. Tu dois avoir quelque chose qui les attire, toi. Alors, pourquoi m'as-tu appelé? Pourquoi tu peux même ma tranquillité? Mon ami entre dans la voiture et tu m'amènes à l'hôpital. À l'hôpital? Quel hôpital? À l'hôpital, là où on a hospitalisé la mère de ton ami. Hey! Pourquoi veux-tu aller là-bas? Ça ne te concerne pas. Entre dans la voiture. On y va. Au fond, moi, tu ne changes pas. Tu ne me pages pas. C'est-à-dire? Je sais que tu crois que nous t'avons arnaqué. On t'a pas dupé. Laisse-moi te dire. Devant les hommes et Dieu, la mère de Cheta est à l'hôpital. On n'a pas mangé ton argent. Tu es en train de parler pour toi là-bas. Tout ça simplement à cause de 20 000 naira. Tu te mets à chercher tout le monde partout pour savoir si ce que nous avons dit était vrai. Attends. Tu as les 20 000 naira là. Entre dans la voiture. Je vais entrer dans la voiture pour t'amener là-bas. Entre dans la voiture. Pourquoi tu vas te proposer, non? Au fond, moi, je peux pas changer tout simplement à cause de 20 000 naira. Alors, tu les faire, non? Tu es là, tu montes, tu descends. Tu sais que si tu vois 20 000 naira dans le marché d'Onyeka. À cause de 20 000 naira, tu me cherches partout. Mais il n'y a pas de problème. Je vais t'amener à l'hôpital. Tu vas te proposer. Hey! À cause de 20 000 naira, tu vas regarder comme ça. C'est facile de faire 20 000 naira. Attends. Au fond, moi. Où étais-tu depuis hier, Cheta? J'étais à l'hôpital, monsieur. Ma soeur et ma mère ne se sentent pas bien. Et je courais dans tous les sens pour trouver un peu d'argent. Es-tu docteur? En fait, je suis venu te voir pour que tu me prêtes 5 000 naira pour que je paye les factures de l'hôpital. 5 000 naira? Oui, alors monsieur. Que tu n'étais pas au travail depuis hier. Je sais, j'étais dans tous les sens. Hé, hé. Qui a travaillé sur le frein de ma voiture? Qui a travaillé sur le frein de ma voiture? C'est moi qui travaillais dessus. C'est toi? Reçu. Ce gars m'a foutu un vrai bordel. Hein? J'ai presque tué quelqu'un hier avec cette voiture. Où est la voiture? C'est un gars là-bas. Écoute, Olivier, je vais... tu m'as giflé. Si tu parles, je vais encore te gifler, encore et encore. Olivier, tu m'as giflé. Oui. Tu es malade? Tu es stupide? Tu es cinglé? Comment oses-tu te battre avec mon cœur? Reviens encore. Lâche-moi. Aïe, 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 aïe. Désolé, désolé. Attends. Désolé, hein. Oh, désolé. Ça va. Chugo. Ok. Comment tu vas? Abigail. Tonton, comment vas-tu? Je vais bien. J'espère que tu vas beaucoup mieux. Oui. Chugo, comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Bien. Je suis ici pour voir ta mère. Pour voir comment est-ce qu'elle se porte. Merci, monsieur. Vous êtes très gentil. Merci beaucoup, monsieur. Laissez-moi vous accompagner. Obiageli. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien. C'est ma petite sœur. Ah, ok. Bien. On y va. C'est magnifique. S'il vous plaît, entrez. Attends. Bon, laisse-la. D'accord. C'est bon, je peux voir le docteur? Oui, laissez-moi vous accompagner dans son bureau. Ok. Allons-y. Elle est vraiment touchée. Change de taille. Il vaut mieux que tu parles. Tu vas la changer. Je ne veux pas la changer. Tu vas me la... J'ai dit que je change de passer. Il vaut mieux que tu parles. Tu vas me changer. Tu vas changer. Tu vas la changer. Arrêtez. Vous allez bien. Arrêtez. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde-moi cette fille. Elle a acheté la carte ici. Elle est partie. Elle est revenue avec la même carte. Elle dit que le local ne donne pas. C'est vrai ça? Ogoïaka, je viens chaque matin à cette boutique acheter une carte. Et quand j'arrive à la maison, je constate que cette carte est utilisée par un client. Pourquoi tu n'as pas rechargé celle-ci? Pourquoi tu ne l'as pas rechargée ici? Tu es parti avec ta carte à la maison, tu reviens pour raconter l'histoire. Tu n'as pas fait une voleuse. Mon ami va te la fermer. Tu dis que la carte était chargée par notre client. Pourquoi ne l'as-tu pas chargée ici? Hein? Et tu viens bagarrer devant ma boutique. Ne tente plus jamais ça, c'est compris. Est-ce que c'est compris? Que ça ne se répète plus. C'est même une carte de combien? 200 naira. 200? Oui. On va aller chercher notre carte. Et toi, peu importe le problème, tu n'as pas le droit de venir bagarrer ici. Que ça se ne répète plus. Ongoyaka, c'est sa photo. Donne-lui. Donne sa carte. Merci, Ogoyaka. D'abord, ne reviens plus la prochaine fois. Ça va à l'intérieur. Tu as combien là-bas? 1250. 1250. Et tu bagarres. Est-ce que tu dois bagarrer pour avoir ça? C'est elle qui a commencé. Ferme ta bouche. Mon ami Rad Naba, viens me donner cet argent. Elle bagarre même. Et Meka va livrer le pain. Occupe-toi de la boutique. D'accord. Mon ami, tais-toi là-bas et occupe-toi de tes affaires. Docteur, je vous en prie, je sors de mon cas. La personne que je suis allé voir, s'il vous plaît, j'ai pas trouvé la personne chez elle. Je sais pas si vous allez me donner plus de temps. Je vous en prie. Cheta? Docteur? Ta soeur a apporté 20 000 naira ici. Et quelqu'un est venu ici à payer le reste de la facture. Il les a amenés. Donc elles ont été libérées. S'il vous plaît, ne plaisantez pas. Vous êtes sérieux? Je dis la vérité, je ne blague pas. Vous voulez dire ma soeur et ma mère? Elles ont été libérées. Oh. Oh, merci beaucoup. De rien, merci beaucoup. De rien. Oh, je suis content. Onyeka! 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 Cheta? Onyeka! Cheta? Cheta? Elles ne sont pas là-haut. Le docteur vient de me dire qu'il y a quelqu'un qui a payé pour eux. Elle les a fait sortir. Ah, qu'est-ce que ça peut bien être? Je sais pas, allons-y, allons-y. Ok. Djugo. Qu'est-ce qui s'est passé? On sort de l'hôpital comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Okundele est venu avec Oufoua à l'hôpital. Cheta, est-ce que tu sais qu'Oufoua a payé toute la facture de l'hôpital? Et nous a même déposé à la maison. Quoi? Oufoua c'est quoi? Non, dis-moi, Oufoua c'est quoi? Y a-t-il quelque chose de mal à cela? Depuis quand cet avare est-elle soudainement devenue généreux? Ça m'étonne, oh. Depuis quand? Ça m'étonne. Je déteste ce nom. Mais... Hey! Maman. Ce gars est l'envoyé de Dieu. Je vous le dis. Maman, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par envoyé par Dieu? Comment? Il a payé nos frais médicaux. Il nous a accompagnés à la maison et m'a même donné 10 000 naira pour bien manger et me rétablir. Je vous le dis. Comment est-ce possible que Oufoua te donne 10 000 naira pendant que depuis le matin, moi et Onyeka allions dans tous les sens, cherchant où emprunter ces 5 000 naira? Cheta, Dieu travaille de façon mystérieuse. Il a sa façon d'aider les pauvres. Et il a fait le miracle. Onyeka, viens. Maman, c'est d'être ritualiste. Hey, ne parle pas comme ça. Son agent est salaud. Onyeka, ne parle pas comme ça. Tu n'aurais pas accepté son agent comme ça. Et même toi, tu as accepté ça. C'est un mensonge. Mes mains ne sont pas impliquées dans ce que vous racontez là-haut. Ça ne me concerne pas parce que vous mentez. Mais maman, qu'est-ce que j'ai fait, non? Ai-je fait quelque chose de mal? Ne t'occupe pas d'eux. Je sais quel est leur problème. S'il te plaît, finis vite, on va cuisiner. Moi, je sais pas ce que j'ai fait. Oh. Ne t'occupe pas seulement d'eux. Oui, oui, je te rappelle. Oui, je te rappelle. Ok, d'accord. Maman, tu es là. Ma fille. Bienvenue. Ça va. Maman. Mais... C'était Oufoua au téléphone. Oufoua? Oufoua, le type qui nous a ramenés de l'hôpital. T'as appelé au téléphone? Oui, maman. Ah, comment a-t-il fait pour avoir ton numéro? Maman, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? Maman, il veut que j'aille faire la cuisine pour lui. Hein? Lui faire la cuisine? Hey! Les hommes, ne peuvent-ils pas offrir quelque chose à quelqu'un pour rien? Hein? Aïe! Maman, Dieu de bonté, regardez l'homme que je louais qui a fait des merveilles. Pourquoi maintenant? Hein? N'a-t-il pas mangé avant ce moment? Hein? Ça fait seulement 3 jours qu'il te connaît et il demande déjà que tu ailles lui faire la cuisine. Je n'aime pas ce genre de choses, je te le dis. Ça ne me plaît pas du tout. Maman, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Aïe. Maman, qu'est-ce que tu veux que je lui dise, non? Aïe. Ma fille. Oui, maman. La vérité est que cet homme nous a vraiment aidés. Honnêtement, il a fait. Dis non à sa demande. Sera comme si nous sommes ingrats. Maman, ça c'est exactement ce que je pensais. Aïe. Je ne sais pas quoi faire. Mais peut-être qu'il n'aurait pas des arrière-pensées. Mais j'en doute. Suis-je une folle? Je connais les hommes. Je les connais. Mais tu dois partir, ma fille. Rappelle-toi qui tu es. Ça, c'est la seule chose que je puisse te dire. Rappelle-toi de la fille de qui tu es. Et surtout, n'oublie pas l'éducation que je t'ai donnée. Les bons chemins dans lesquels je t'ai entraînée. S'il te plaît. S'il te plaît. D'accord, maman. Tu sais que tu peux toujours me faire confiance. Si c'est ce que je soupçonne. Sois juste poli envers lui. Et s'il te demande, tu refuses. Oh, montre-le juste que tu es bien éduqué. Et encore une chose, s'il te plaît, ne permets pas à Onyeka d'être au courant. Oh. D'accord. D'accord, maman. Laisse-moi entrer avec ça. Ok, d'accord. Oufoua Nokonwa. Oufoua Nokonwa. Odok. Ok. Que fais-tu ici? Désolé. Où est Oufoua? Il est en haut. Oh. À l'étage? Oui. Je vais le voir. Merci. Monsieur, je vais devoir partir. Chugo. Hein? Combien de fois vais-je te dire de ne plus m'appeler monsieur? Je suis désolée. Je dois aller à la maison. Ma mère est en train de m'attendre. Lui as-tu dit que tu venais ici? Bien sûr que je lui ai dit. Je ne mentirai jamais à ma mère. C'est bon. Alors assieds-toi, comme cela on pourra manger la nourriture que tu as cuisinée. Hey, s'il vous plaît, laissez-moi là à la maison. Il va bientôt se faire tard. Mais goûte-la juste, non? Hein? Si tu ne veux pas manger cette nourriture, je ne vais pas la goûter. Je ne vais même pas la toucher. Ah. Tu ne peux pas cuisiner pour moi et ne pas manger. Allez, voyons. Assieds-toi. Chugo. C'est bon. C'est bon. Ma chère, ce repas est aussi merveilleux que toi. Merci. Je n'ai pas encore fini. Tu sais que tu es jolie. Tu es jolie. Oh, Onyenka, essaie de comprendre. C'est quelque chose de très simple à comprendre. Ne sais-tu pas ce que signifie pour une fille d'aller délibérément chez un gars, prendre de l'argent, aller au marché et acheter des provisions? Non pas qu'elle amène ses provisions chez elle, mais va avec ses provisions chez cet homme et cuisine pour lui. Tu sais pas ce que ça signifie? Okundele, ça c'est une mauvaise blague. Qui blague avec toi? Onyenka, qui blague avec toi? Maintenant, laisse-moi te le dire. Oufouma vous a repris Chogo, tu m'attends. L'argent dirige au monde. Pas ma Chugo à moi. Je lui fais confiance, pas ma propre Chugo. Pas ta propre Chugo. Non. Demain, ne m'appelle pas Okundele. Tu as entendu que Chugo s'est réveillé dans le lit de Oufouma. Ce jour, ne me demande pas ce qu'il faisait dans le lit. Attends, Onyeka. Je t'ai dit, si. Laissons tomber cette affaire et allons nous faire de l'argent comme Oufouma. Pour que nous mettions un terme à tous ces problèmes. On va rester sur la même vide. Oufouma va prendre toutes les filles de ce village. Pas de problème, c'est pas qu'on t'a pas prévenu. Aujourd'hui, tu vas te battre avec Oufouma comme ça. La même vide est en short. Quelqu'un qui vit dans un château, tu vas l'affronter comme ça. Je venais pas avec toi, pardon, moi j'ai eu ça tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Va chercher l'argent. Chugo, tu n'es qu'une effrontée sans vergogne. Oui, dis-moi un peu, dis-moi, à quoi pensais-tu? Onyeka. Non, ne m'appelle pas. Quel est le message que tu essaies de véhiculer? Tu fais la cuisine pour moi. C'est pour ça que je vais t'expliquer. Expliquez-moi ce que tu penses. Ne m'explique rien. Pour commencer, il vous a payé les frais d'hospitalisation. Vous a déposé à la maison. Maintenant, tu fais la cuisine pour lui. Et prochainement, ce sera dans son lit, n'est-ce pas? Onyeka, qu'est-ce que tu racontes? Je sais de quoi je parle. Permets-moi de t'expliquer, non? Ok, tu veux m'expliquer? Onyeka. Ok, explique un peu, je t'écoute. Écoute. Il a juste voulu que j'aille préparer. T'as perdu la tête? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle allait faire la cuisine à Oufouma. Et alors? Elle allait faire la cuisine à Oufouma. C'était pour ta raison. Hein? Tu es son père, Onyeka. Onyeka, la prochaine fois que tu arrêtes ma soeur de cette manière, tu auras fait à moi. Donc, je te fais un Djugo. Quoi? Je te Qu'est-ce que tu viens de dire? Je te battre. Tu vas faire quoi? Je te battre. Onyeka, tu vas faire quoi? Je te battre. Onyeka, viens. Onyeka, si c'était pas à cause de ce poids, tu me connais. Elle n'a pas fait la cuisine là-bas, pourquoi? Tu es son père pour lui dire ce qu'elle doit faire. Onyeka, tu te vois? Onyeka, tu te vois? Tu m'auras dans ta route, dans ce village. Où est-ce qu'elle est passée? Reviens ici, Djugo! Tu peux accuser n'importe pour on a dit! Maman, pourquoi n'es-tu pas allée là-bas? Pourquoi tu as permis à ma soeur d'aller jouer au fond? Pourquoi, maman? Cheta, calme-toi, je vais t'expliquer. Cheta, tu sais que ce jeune homme nous a aidés à l'hôpital. Remercie-le. Je vais bien maintenant. Et même ta soeur. Et alors? Ta soeur juste allait lui faire à manger. Maman, je suis l'homme de cette maison. Pour ton information, maman, je dois être au courant avant que ma soeur ne parte au Oufouma. Oufouma est un homme comme moi. Que se passerait-il si quelque chose lui arrivait? Qui appellerais-tu, c'est pas moi? Tata, pourquoi tu parles de cette manière? Chugo, ce que je suis en train de dire, c'est que pour aucune raison sur cette terre, tu ne devrais partir chez Oufouma pour cuisiner. C'est d'accord. C'est de ma faute. S'il vous plaît, que cela ne se reproduise plus. S'il vous plaît. Ça va alors, non? Je suis désolé. Tu sais que je t'aime beaucoup, non? C'est pour ça que tu as voulu me taper en public, non? Hein? Et si mon frère ne venait pas? Mon cœur, tu sais que je suis colérique, mais crois-moi, cela n'arrivera plus jamais. Du fond de mon cœur, je suis vraiment désolé. Je ne me conduirai plus jamais comme ça. S'il te plaît, pardonne-moi. Allô? Qui est-ce? Offre-moi. Bon après-midi, monsieur. D'accord. 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 Offre-moi, c'est quoi? Offre-moi, c'est quoi? On est cassé, ça copain, hein? Non? Je suis là, tu dis même Offre-moi, Offre-moi. Offre-moi, c'est le nom de quelle poubelle, hein? Onyeka, laisse-moi tranquille. Offre-moi, c'est quoi? Arrête, appelle là. S'il te plaît, ne te fâche pas. Arrête. Qu'est-ce qui se passe, non? Onyeka, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi tu me dis comme ça? Je n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis prêt. Attends, de quoi? Tu n'as rien dit depuis. Allons, je suis prêt maintenant. Pas pour aller où? Allons, pour l'argent là, non? Allons-y. Oui. Onyeka. Oui, non, je suis prêt, non. Allons-y, non. Oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on y aille? Allons-y. Moi, je veux être riche. Tu attends quoi, non? Allons, non. Allons-y, allons d'abord. Allons-y. l'instant. Akata vous recevra. Nous sommes au milieu. Et je vois. On ne parle pas ici. Pardon. Ne sais-tu pas que Akata est le faiseur de richesse? Dis-moi, il est où? On ne parle pas ici. Qui ose défier le grand honneur de richesse? Tout-Puissant, nous sommes du village d'Afawa. Et nous sommes ici pour briser le lien avec la pauvreté. Wait. Tout-Puissant. Vous pouvez donc venir. Si seulement vous voulez devenir riche. Enlevez-moi ces choses que vous avez sur les pieds. Et suivez-moi. Dans cette voie, oui, nous sommes prêts. Tu as été ici auparavant, mais je t'ai rejeté parce que tu n'as pas de cœur. De cœur brave. Tu n'as pas le cœur de celui qui veut vaincre la pauvreté. Alors, es-tu prêt maintenant? Es-tu disposé à marcher dans cette voie? Tout-Puissant, nous sommes prêts. Et ton ami? Est-il mien? Est-il mien? Oh. Je prends ton silence comme une acceptation. Maintenant, votez vos vêtements et entrez dans les cercueils en face de vous. Vous êtes sur le point d'entrer dans la terre de la richesse. Ôtez vos vêtements et entrez. Ôtez vos vêtements et vachez dans la terre de richesse. Entrez dans le cercueil, maintenant! à chaud ici. Et toi, tu feras un voyage réussi. Vous deux, vous ferez un voyage réussi. Partez! Vous ferez un voyage réussi. Partez! Partez! Chugo, ma fille. Maman. Ce qu'une vieille femme voit, assise. Une jeune fille comme toi ne le verra pas. Maman, qu'est-ce que c'est? C'est au fond moi. J'espère qu'il ne cherche pas ce que je pense. Maman. Tu t'inquiètes pour rien, oh. Ce n'est pas pour rien. J'ai des yeux et je les utilise. Ça ne sera pas facile avec Onyeka, oh. Maman, tu me fais peur, oh. Oui, il faut avoir peur. Je veux dire, Onyeka t'aime tellement et il ferait n'importe quoi pour toi. Avec cet Oufoua qui a soudainement apparu comme ça. Cheta, bonne arrivée. Ibatago. Non, oh. Je vais bien, maman. Djugo, as-tu les nouvelles de Oyenka? C'est la même question que je voulais te poser. Oh. Depuis 2 semaines, personne n'a les nouvelles de Oyenka. Espérons que ça ne soit pas ça. Quoi? Rien. Ne t'en fais pas. Oh! Tiens. Maman. Anna. Djugo. Comme vous le savez tous, les choses sont dures pour cette famille. Je veux que vous ayez la foi. Parce que je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour prendre soin de vous ou mourir en essayant. Cheta, pardon. Enlève la mort dans ces paroles, je t'en supplie. J'ai enterré votre père. Pardon. Vous trois qui restez, y compris tes enfants, allez m'enterrer. C'est bon, maman, je t'ai écouté. Je le dis tout simplement parce que... je veux que vous ayez la foi. D'accord? Chugo, j'ai besoin d'eau pour me laver. Ok. Obiageli? Obi? Oui, grande sœur. Ben voici, grande sœur. Obia, va chercher de l'eau. Grand frère Cheta veut se laver. D'accord. Grand frère! Ah oui, comment tu vas? Je vais bien. Tu m'as l'air en forme aujourd'hui. Oui. D'accord. Grand frère, porte-moi. Imagine. Que je te porte? Oui. Imagine-tu. D'accord, je vais le faire. Allez, saute. Eh bah. Et ça, c'est la seule que tu dois porter. Tu veux que je te porte aussi? Pourquoi tu ne me portes pas? Tu veux briser mes ranges? grande que tu es. Maman, tu entends ça? Ne t'en fais pas, tu vas aussi venir me porter. Cheta, comment vas-tu? Je suis venu voir mes amis. Tes amis? Ah, chez moi? Je ne connais pas tes amis. Je parle de Ogoïaka et de Onyeka. Je ne sais rien de tes amis. Pourquoi cherches-tu tes amis ici? J'ai cru qu'ils ont voyagé avec toi. Ah, je viens de rentrer de Port-Harcourt. Ça fait au moins 2 semaines que je suis à Port-Harcourt. Je veux dire qu'ils n'ont pas voyagé avec toi. C'est encore quoi ce truc-là? Ok, ça va. Comment va ta soeur? C'est à toi que je m'adresse. Tu vas pas épouser ta soeur. Hein? Voici le véhicule que vous utiliserez tous les deux. Et voici la clé. Vous avez 2 cartes bancaires. Chacune vous donnera 210 millions de naira. Vous avez tout pour être riche. Mais vous devez revenir dans 21 jours. Pour finaliser le rituel. Bonne chance à vous. Hey! 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 Maintenant, je peux offrir à Chugo tout ce qu'elle désire. Hey! Et c'est le moment d'aller dire à ce soi-disant Oufoua que je suis arrivé. Hey! Qui suis-je? Voici venu le moment de prendre toutes les plus belles femmes de notre village. Hey! Alors nous. Non, c'est vrai. Quoi? Je vais commencer à distribuer l'argent ici. Ça, c'est place du marché. Il n'y a pas un autre endroit. Laisse-moi, laisse-moi. En fait, je ne me retiens même plus. Thanks God. On nous dit pourquoi. Faux. Au foyer pour pousser pota. Bagné à panier. C'est ça. Hey! On est à quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête un peu de m'insulter. Mon nouveau nom c'est Oyenku Naenua. Onyeku Nenua. Ah, Némoa. Parfait. Hey, c'est que ça ne te boit à cause de toi. On y a un goût. Tu as dit que tu n'aimes pas l'ice rose. J'aime pas le rose. Quand le change, non. Donne-moi un rosé. S'il te plaît, apportez un rosé. D'accord, monsieur. On y a un coup. Tu sais qu'après notre voyage ici, nous devons aller. Merci. Nous devons aller faire du shopping. Au moins s'acheter de nouvelles fringues. Encore du shopping? Oui, on n'a pas encore fait d'achat. On était déjà là-bas, non? Et quand on n'a pas encore fait le shopping, on est juste venu prendre quelques petits trucs ici, faire des petits trucs. Et quand on doit faire le shopping, tu vois, lorsqu'on arrive à au moins encore, ils sauront que Onyenko est là. Écoute, il y a des boutiques où nous devons aller. Tu me comprends? Nous ne sommes pas des simples millionnaires. Nous sommes des multimillionnaires. Comme ça, ils comprendront qu'il y a des gens dans la ville. Tu ne comprends pas, mais je sais que tu comprendras lorsque nous serons là-bas. Ah ouais, tu as raison, mais entre-temps, j'irai voir Chugo ce soir. Ce soir? Oui. Elle est la raison pour laquelle j'ai fait tout ça. Oui, je suis au courant. Donc, je la verrai ce soir. Elle dort avec moi ce soir. Ma joie de l'épouser commence à me faire ce soir. Tout se passe ce soir? Ce soir. Hey! Oyenka, Neloua. Ah! Tu sais quoi? Je vais dire quelque chose. Moi, Okundele, go à mon messie. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. J'irai à la chasse. Je crois que j'irai à la recherche de toutes ces prostituées. Tu vois ce que je veux dire? Les filles qui savent faire. Pinotonnier. Toi aussi. Pinotonnier. Toi aussi, tu vas aller faire ça. J'irai me taper environ 2, 3, 4 meufs. Pour qu'elles me fassent un bon petit massage. Eh wow. Oh, boy, quoi? Eh fou. Oh, foyer que quoi? La vie est belle. Je te souhaite beaucoup de chance. Hein. Merci. Now, wow. This na big money. I don't make a more. Cherry, 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 cherry. Come see money. Cherry, cherry, cherry. Come see money. Ogoma. C'est comment? Cherry, 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 cherry. Hey, je me suis fait de l'argent. Champion du village, aide-moi. Aide-moi, tu as refusé. Je me suis fait de l'argent. Je me suis fait de l'argent. Tota, j'ai de l'argent. Oufoua, j'ai de l'argent. Je t'ai demandé de m'aider. Et tu as refusé. Oufoua, prends cet argent. J'ai de l'argent. Oufoua, mais t'es dingue. Et tu... Calme-toi, calme-toi. Non, ça va. Laisse-moi régler comme cette édition. Ça demande de m'aider, tu as refusé. Calme-toi. Écoute. Gère ça. Calme-toi. Laisse-moi gérer ça. Écoute, écoute-moi pour de vrai. C'est celle que j'aime. Colle-lui la paix. Sinon, tu finiras très mal. Cheta là! On connaît les... Cheta là! Je me suis fait de l'argent! Cheta là! Onyeka! 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 Qu'est-ce qui se passe? Cheta là! Oui, mon gars! On s'est fait de l'argent! Eh wow! Ne me touche pas! C'est de l'argent! Hey! Onyeka! Idiot! On connaît les... On se reverra. Je reviens à peine. Hey. Oh, qu'on était. Hey. Toi, t'es dans le véhicule. Je vais entrer. Oui, c'est moi. Sois prudent. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Sois prudent. Hey, je vais bien, je vais bien. Attends, attends, laisse-moi t'aider. Hey. Ça, c'est une voiture. C'est une voiture. Hey. Ça, c'est une voiture. Hey. Tu vois ça? Come closer to me, I go dash you money. All the villagers here, make una come closer, come see money, come see money. Quelqu'un pourrait-il me parler? Parce que je ne comprends rien à ce qui se passe ici. Vous êtes allé faire des rites pour de l'argent? Cheta, quel âge as-tu? Non, je t'ai posé une question. Quel âge as-tu? Mec, tu ne redeviens pas jeune. Tu n'es plus un petit garçon. Je t'ai personnellement appelé pour que nous puissions mettre un terme à notre misère. mais tu as véhément refusé. Tout ce que tu as pu dire, c'était non, je peux pas me faire de l'argent, je suis un ritualiste, c'est sûr des choses. Mais c'est avec le même sale argent qui a été utilisé pour sauver la vie de ta mère et de ta soeur à l'hôpital. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon ami, si tu sais encore ces conneries, je vais te pardonner pour cette fois-ci. Si tu sais encore tes conneries là, je t'envoie un tôle. Et malheur à la personne qui t'apportera à manger, cette personne te rejoindra en prison. Tu es fou? Ah bon, moi tu penses qu'ils sont du même niveau, n'est-ce pas? Voyons, arrête-moi tes conneries là. Eh wow. Onotie mon frère. Eh wow. Onotie. Eh fond. Oufuni kui poussi pota pamba pamba. Regarde-moi cet idiot. Attends, attends. L'argent que Fumo a donné à ta soeur Chugo pour payer les frais d'hôpital de ta mère. D'où crois-tu que cet argent provient? N'est-ce pas même l'argent des rituels? N'est-ce pas l'argent d'Akata? Qui a Akata? Tu es très idiot. Moi fou. Parce que nous pouvons sur la même table. Je t'en veux pas. Ewo. Compagnon. Ewo. Obani fue posipota. Mono mbune fo. Ufunisia ni mime. Fanya fanya. C'est ça. S'il te plaît, quand t'as pas quelque chose. Non, non, ça va. Non, quand t'as pas quelque chose. Non, non, c'est bon, je vais ça me va, ça va. Barman, s'il te plaît, apporte-moi 2 bouteilles de mouette là. À la chambre 216, oui. Oui, à la 216. C'est ma meuf là. Attends, je reprends. Allô bébé? Ouais, es-tu toujours? À la réception? Gars, c'est sûr, j'arrive. J'arrive. Allô? Où? À la réception? Elles sont au nombre de combien? Hé gars, où est-ce que tu vas? Elles sont au nombre de combien? Vous êtes sûr que vous avez payé ça? Je ferais mieux. Reste sûr, avant que quelque chose n'arrive. Salut. Chugo. S'il te plaît, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Pourquoi es-tu désolée? La manière dont Onyeka t'a traité hier. Ah. Il protège juste sa femme. S'il te plaît, arrête de dire ça. Je ne suis pas sa femme. Ok. Viens. Je vais voyager pour une affaire très importante. Donc, je viendrai voir ta famille quand je serai de retour. Tu viendras voir ma famille? Oui. Tu vois, la première fois que j'ai posé mes yeux sur toi, je me suis dit à moi-même, voilà ma femme. Laisse-moi te parler de moi. Mon nom n'est pas Oufoua. Mon nom est Inedo. Les gens m'appellent Oufoua parce que je suis l'enfant unique de mes parents. Mon père est mort dans un accident de voiture. ma mère a été tuée par sa meilleure amie. Elle a été empoisonnée quand j'avais 15 ans. J'ai souffert tellement. Je ne pouvais le supporter. J'ai quitté le village pour m'installer ici. Je ne savais pas. Oui, c'était une décision très sage. Je ne t'aurais pas rencontré si je ne vivais pas ici. Veux-tu m'épouser? Je t'ai posé une question. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Quoi? Pourquoi tu as décidé de nous venir en aide? Tu as envoyé l'agent de la facture à l'hôpital avant que tu ne me rencontres. Pourquoi? Bien. Deux choses. La première, ton frère. Il a beaucoup. Il encaisse beaucoup. Et il est destiné à la grandeur. J'ai appelé mon pasteur. Je lui ai parlé du jeune homme qui est venu m'emprunter de l'argent. J'étais surpris quand mon pasteur m'a dit « Rappelle-le, donne-lui l'argent. » Mais pourquoi? Il a dit « De tels dons ouvriraient les portes pour moi. » Alors je ne réfléchissais pas. Peut-être mes affaires, certains business internationaux sur lesquels je travaille. Je ne réfléchissais même pas que quelque chose de grand allait arriver sur mon chemin, comme toi. Tu as entendu les gens dire que je ne donne pas d'argent? Oui, j'ai entendu ça. Les gens demandent le ridicule. J'ai souffert. Mon patron m'a donné 30 000 naira. Et pendant tout ce temps, je le travaillais. Mais tu vois certaines personnes, ils viennent de nulle part pour te prendre de l'argent. Tout argent que je me suis fait. J'ai souffert pour ça. Regarde Baudelaire. Il est paresseux. Tout ce qu'il sait faire, c'est de suivre les femmes. Je n'encourage pas la paresse. Je ne donne pas aux gens paresseux mon argent. Ne parlons plus de ça. Réponds à ma question. Lorsque tu reviendras de l'Écosse, je te donnerai ma réponse. Quel type d'affaires fais-tu? Je te dirai quand je rentrerai de Lagos. Honnêtement, je ne sais pas quel est mon problème. Je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Comment? Te rappelles-tu que je t'avais été prostituée la nuit dernière? Je parle des filles de la nuit là. Je n'ai pas pu faire d'érection. Ça c'est pas le vie. Putain, je t'explique quelque chose de sérieux. Arrête de me décontrer là. Peut-être que j'ai un problème. Ça c'est pas le vie. C'est certainement dû à un taux d'alcool assez élevé dans ton système. Non. Quel boisson? C'est pas l'alcool. Tu me connais avec l'alcool. Si je veux boire, je boirai jusqu'à la dernière goutte. Pourtant, je t'aime que le cid. C'est pas l'alcool. Oh, attends, dis-moi. T'en as-tu servi du tien? Non. Je préfère me réserver pour Chugo. Quel Chugo? Chugo qui savait au fond moi depuis, il savait que tu comptes encore faire les enfants. Ah, je déteste entendre prononcer ce nom. Ça veut dire quoi? Laisse-moi te dire la vérité. Ne prononce pas ce nom devant moi. D'accord. Je déteste entendre prononcer ce nom. Tu as gagné. Comme je te l'ai dit, Chugo m'appartient et il n'y a rien que quelqu'un puisse faire à ce sujet. Donc s'il te plaît, excuse-moi. Tu as gagné. This life led you. This life led you. This life led you. This life led you. Now I go tell her this life love. Now go listen to my story. This life love. Watching this life. Hey, hey, wow, Obi, hey. Obi. Maman, tu pars où? Reste à la maison. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Obi est inconsciente et tu me demandes de ne pas partir. Maman, souviens-toi de ce qui s'est passé la dernière fois. Hein? Maman, s'il te plaît, n'aggrave pas ceci, ne t'inquiète pas, reste à la maison. Non, 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 s'il te plaît. Je ne serai pas en paix pendant que vous serez à l'hôpital. Allons-y, s'il te plaît. Maman, ne t'inquiète pas. Cheta et moi, nous allons nous occuper de Obi. Juste reste à la maison, reste à la maison. Hein? Chugo, reste à la maison, j'arrive. Aïe, papa! Aïe, aïe, je n'ai rien fait. Regarde. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Regarde, je n'ai rien fait. Sauf ces garçons. Ouais, mon chien. Tu es là, tu regardes les gens aussi. Ah, mon chien. Stupide chien. Pourquoi tu suis stupide? Stupide, tiens. Où est mon gardien de sécurité? Docteur, ne pouviez-vous pas trouver une solution permanente à la situation de ma sœur? Sa condition me déchire. Je n'ai pas de concentration. J'ai toujours peur quand mon téléphone sonne. Cheta, j'ose croire que tu es assez éclairé pour savoir que le syndrome de Sécossais n'a de solution permanente. Nous gérons ça. On ne soigne pas. Mais gérer ça est tellement coûteux. Parce que tu as permis que ça arrive à ce niveau critique. Docteur, alors quelle sera la prochaine surprise? Je crains que nous l'admettions ici pendant une longue période. Mais si j'étais toi, je commencerais à chercher de l'argent. Mais cette fois-ci, ça ira environ 50 000 naira. 50 000 ? Tu m'as entendu, Cheta? Jésus-Christ. Docteur, 50 000 ? Pourquoi ne pourrais-je pas rentrer à la maison et dormir? Dormir en paix. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Hey! J'ai besoin de ton aide. Au moment où je vous parle, Obiageli est mourante. S'il te plaît. Mokim, mon ami, attends. Comment peux-tu savourer la nourriture de Fodera? Pourtant, tu studies à tous les éléments. Mais c'est quoi ton problème? Tu veux pas avoir l'argent ritualiste. Pourtant, tu veux dépenser l'argent provenant des ritualistes. Quel genre d'être humain es-tu? Hein? Au goût de l'écran, c'est arrivé si je ne t'ai pas adressé la parole. Je ne m'adresse pas à toi. Je m'adresse à Onyeka. Hein? Alors s'il te plaît. Onyeka, Onyeka, je t'en prie. Onyeka, s'il te plaît. J'ai besoin d'argent. Onyeka est mourante. Ta soeur est mourante. D'accord, Cheka, je t'ai entendu et tu es assez clair. Mais je voudrais te dire quelque chose. Tu vois, la vie n'est qu'une affaire de choix. Oui. Nous avons divorcé avec la pauvreté. Donc je te conseille de faire la même chose et d'arrêter de nous perturber. Regarde-toi. Ça me rappelle un truc, Mko. Cette affaire que nous avons conclue avec ce gars, comment tu dis qu'il allait encore payer ce soir? 31 400 000. Je crois qu'il avait déjà payé au moins une soixantaine de millions. Oui. Oh. Dans le reste, c'est 31 400 000. Ok. Pas de problème. Qui est là? Soupe la pâte, nous à boire là. Toi aussi. Je n'aime pas le fait que tu sois assis là. Gars. Bon, non, tu fais quoi? I don't go there. I don't make money. This is not big money. I don't make a more. Jay. Come see money. Jay. Come see money. Hey! Eu! Cheta, mon fils, tu as assez souffert. Hey! Tu as assez souffert. Hey! Chogo. Hein? Il faut que je te parle. Désolée, ça va aller. Je reviens, maman. Ça va aller. Arrête de pleurer, non. Arrête de pleurer, maman. Ça va, Mwam. Chugo, je déteste dire ça, mais j'ai pas le choix. Qu'est-ce que c'est encore? Je veux que tu arrives chez Ofuoma. Cheta, il a voyagé aujourd'hui. J'ai essayé d'appeler son numéro, j'ai appelé. Ça ne passe pas, je ne sais pas ce qu'il y a. Onyeka n'aurait pas voulu que ça arrive. Je ne veux pas de son aide. Je ne veux rien venant de Onyeka. Où es-tu en train d'aller? Djugo. Hein? Prends soin de maman et Obirini. D'accord. Je reviendrai. D'accord. Tu vas rester longtemps? Non. Alors, vous avez mal? Non, mais vous devez contrôler encore. J'imagine que... Ces gars m'ont beaucoup amoché. Je vais essayer de calmer la douleur. D'accord. Hey. Désolée. Ah! C'est vraiment terrible. Ah! Oh, tourne-moi ton dos, laisse-moi voir s'il y a une blessure là-bas. Désolé. Oh. Désolé. Ne vous inquiétez pas. Après avoir pris des médicaments, vous irez mieux. D'accord. Donc, I don't go there. I don't make money. This is not big money. I don't make a more. Onyeka. Petite correction. Onyenkunenowa. Onyenko. Onyenko, je veux partir dans cet endroit. Maintenant, tu parles comme un homme. Tu vois, les tâches difficiles ont besoin des missions difficiles. Dès que tu auras fini avec ça, tout le monde entier sera à tes pieds. Tu auras des voitures, la femme que tu veux, des villas. J'espère que ce n'est que pour ça que tu es venu, parce que j'ai quelque chose à faire maintenant. Je veux arriver à cet endroit. Quand est-ce que toi tu vas m'amener là-bas? Ne t'en fais pas. Robin, non, moi. Suis-moi. Oh. Alors, comment ça s'est passé? Tu amèneras Cheta dans le sanctuaire d'Akata ce soir. Je voudrais passer la nuit avec Chugo. Puisqu'il raisonne maintenant, c'est notre ami. Nous devons l'aider. Mon problème, c'est que c'est son côté pessimiste là. Tu vois, c'est ça mon problème. S'il n'y a pas de problème, Akata va le recevoir. Du moins, lui donner le même argent qu'il nous a donné. Chugo. D'accord. Pas de problème. Pas de problème. Alors, hein? Rentrons là-bas. Non, mais il faut que je rentre à la maison après. Non, mais tu comptes aller où comme ça? Il faut que je m'apprête. Chugo, un ami avec qui j'ai longuement traîné, et Onyeka, qui allait au Karta et lui en Malaisie, est revenu hier nuit. On a eu à discuter et je lui ai parlé de ma situation difficile. Mais tel qu'il a considéré le problème, j'ai l'impression qu'il veut m'aider. D'accord. Mais qui est-ce? Son nom, c'est Martin. Djugo, s'il te plaît. Je laisse tout entre tes mains. Ok? J'ai essayé de convaincre le docteur pour commencer le traitement sur Obiageli. Je reviendrai le plus tôt que possible. Rassure-toi de prendre soin d'eux. Et continue toujours à appeler au fond de moi. D'accord? S'il te plaît. Avant que tu ne le saches, je serai déjà de retour. Il est vrai que je ne sais pas quand je vais revenir, mais je reviendrai. D'accord? Ça va aller. Fais attention. Je ferai attention, ok. Prends vraiment soin d'eux. Je vais revenir. D'accord. Fais attention. Bye bye. La vision était très claire. J'ai vu ces garçons. Mais le Seigneur ne m'a pas montré l'homme qui les a envoyés. Je ne sais pas non plus. Je n'ai pas du tout aimé ceci. Non, 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 non. Nous devons aller au camp de prière. Tu dois aller. Bien, homme de Dieu. Je vais bien maintenant. Je vais bien, je m'améliore. Ce n'est pas un problème spirituel, c'est un problème physique, vous savez. Au fond, la Bible dit que l'homme charnel ne comprend pas les choses de l'esprit. Ceci n'est pas juste une simple affaire physique. Il a plus de spirituel. Alors, tu dois aller au camp de prière avec moi, afin que nous te préparions spirituellement pour un grand combat à venir. Il te faut une préparation spirituelle. Tu en as besoin. Quand? Maintenant même. Allons, prends tes habits, allons-y. Seigneur, tu es son berger. Il ne manquera de rien. D'accord, je n'aime pas le dire, mais je n'ai plus d'autre option. Je suis vraiment désolé de t'avoir traité ainsi, mais crois-moi, j'ai fait tout ce chemin juste à cause de toi. J'ai fait du vrai argent juste pour te plaire et te rendre heureuse. Ok? Onyeka, Qui t'a dit que l'argent était mon problème? C'est l'argent qui gouverne le monde. Ok? Et je me suis fait du vrai argent. Du vrai argent. Après tout, tu crois, après cet idiot, ce misérable sans nom, ça vaut rien. Soi-disant, on fout moi juste parce que... N'essaye plus jamais. Plus jamais de ta vie. Me parler de cette manière. L'incroyable est arrivé. D'accord. Je vais ignorer ceci juste à cause de l'amour et du respect que j'ai pour toi. Écoute, je suis désolé, ok? Je suis désolé. Pardonne-moi. Je suis là pour payer tes factures. Je peux même t'acheter cet hôpital si tu veux. Mm. Donc, laisse-moi payer, laisse-moi m'occuper de toi. C'est ce que je désire, ok? Onyeka, je t'ai entendu. Parce que je ne veux pas de ton argent. Et je ne voudrais plus que tu voies Obi. Ne te dérange même plus de venir ici. Parce qu'on ne te laissera plus la voir. Tu ne comprends pas, je peux même acheter cet hôpital. Chi, c'est quoi ton problème? Écoute, je me suis fait du vrai argent, ok? Je ne suis plus Onyeka. Je suis Onyenkuwa Nunenuwa. Onyenkuwa Nunenuwa. Onyenkunenuwa. Je peux m'acheter cet hôpital si je le désire. Ne me tourne pas le dos quand je te parle. L'incroyable est arrivé. Ce qui fait de moi un homme, nous ensemble. Tais-toi. Je n'ai pas l'endroit idéal pour faire ce genre de plainte. Pourtant, tu connais toutes les règles et les révélations. Tu as payé ta soudaine richesse avec ta virilité. Regarde mon main ici. Je t'ai donné cet argent. Je t'ai rendu riche. Je suis maintenant riche. Maintenant, va-t'en d'ici. Je t'en prie. Laisse. Je dis va-t'en. Cheta. Tu es arrivé au point de ta gloire. Il se pourrait que tu ne rentres pas avec lui. Ôte tes vêtements. Tu vas entrer dans ce cercueil. Maintenant. Parce que le voyage que tu te prépares à faire, c'est un voyage sur la terre de la richesse. Maintenant. L'heure est venue. L'heure est venue. Au goût de comment ça s'est passé. Nous entamons la route vers la richesse. Bien. Alors, comment ça s'est passé avec Chugo? Je ne sais pas ce qui ne va pas chez Chugo. Elle ne veut pas me voir. Elle ne me veut pas autour d'elle. Elle me déteste maintenant. Je ne comprends plus. Je vois. Nko. Mais il faudrait que tu comprennes que tout ce qui se passe en ce moment n'est pas de sa faute. C'est de la faute de qui? Celle de qui? La mienne? Peut-être. Je vais te dire un truc. Akata a dit que j'ai payé ma richesse avec ma virilité. Je t'en prie, dis-moi, en quoi est-ce nécessaire, vois-tu, pour moi, que de me faire de l'argent? Je ne peux pas faire un enfant. Comment vais-je profiter de cet argent? Écoute, tu dois faire tout ton possible pour oublier Djugo. Parce que tu ne pourras jamais la récupérer. C'est-à-dire? Cela signifie que tu payes ta richesse avec tes désirs charnels. Non, je ne te saisis pas bien. Pourquoi est-ce que ma monnaie d'échange aurait été celle que j'aime et que je chéris? Pourquoi Chugo? Il n'y a aucun moyen que tu aies des enfants. Cela veut dire que tu m'as trompé. Tu m'as menti. Je t'ai trompé. Tu m'as induit en erreur. Je t'ai trompé. Pourquoi est-ce que je vais vendre la seule chose que je chéris? Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, tu m'as trompé. Mais pourquoi tu parles de ton argent? Quel genre d'argent? Mais je ne suis pas de ça. Quel genre d'argent? Pourquoi te lèves-tu? Pourquoi me lèves-tu comme ça? Non, quel genre d'argent? Il n'y a pas de belle vie sans Chugo. Je ne peux pas vivre sans Chugo. Pourquoi si tu me parles comme ça? Je ne peux pas forcer sans Chugo. Ça veut dire que je rembourserai tout ce qu'Akata m'a donné et récupérer ma Chugo. Écoute, laisse-moi te dire un truc. Tu peux prendre tout ce qu'Akata t'a donné et ramener l'Akata. Et tu pourras régler tes problèmes. Ça veut dire que tu m'as trompé. Quoi? Tu m'as menti. C'est toi qui m'as induit en erreur. Mais qu'est-ce que tu... Je ne peux pas vivre sans Chugo. Pourquoi? Tu m'as trompé. Pourquoi tu fais ça? Non. Docteur. Elles sont pires. Et j'ai peur. Docteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Soignez ma fille. Faites tout pour la sauver. Je vous en supplie. Je suis sûre que mon fils reviendra avec de l'argent. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je suis une mère, s'il vous plaît, regardez-moi. Regardez-moi mon fils, s'il vous plaît, je vous en supplie. Madame. C'est ce que vous continuez à dire. Ah. Ça fait 5 jours maintenant. Et ce n'est pas une organisation de charité, madame. Nous payons les factures. Et je crains qu'on ne puisse rien faire de plus avant que l'avance ne soit versée. S'il vous plaît, je vous en supplie, ayez pitié. Docteur. Djugo. Maman, tu as dit que qu'est-ce qui s'est passé avec le téléphone de Cheta? Maman, ça ne passe pas. Ok, et celui de Oufoua? Maman, c'est la même chose. Ça ne passe pas. Et celui d'Onyeka. Djugo, donne-moi les nouvelles d'Onyeka, non? Onyeka. Maman. Ça ne sera pas un choc pour toi, Onyeka. Viens ici avec une somme d'argent. Ça ne va pas te choquer? Bien sûr, ma fille. Mais regarde ta soeur, non? Nous devons d'abord sauver sa vie avant de parler de la moralité. S'il te plaît, je t'en supplie, non? Djugo! Où est passée ta foi? As-tu perdu ta foi en Dieu? Maman! Maman, ça va de plus en plus. Peu importe ce que le diable fera, je sais que Dieu a fait quelque chose. Je le sais. Arrête de pleurer. Je ne veux rien avoir avec Onyeka à ce qui concerne son argent. Il a les empreintes du diable sur tout son cœur. Maman, écoute. Je sais que Dieu fera quelque chose. Je sais. Ça va, ne pleure pas. Ça va. Mon petit ami, arrête. Pensez. Onyeka, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi te comportes-tu comme un idiot? Hein? Tu sais, c'est toi l'idiot ici. Oui, on a un problème pressant ici. Et tout ce qui te préoccupe, c'est de faire tes partous. Ton bandeur ne fonctionne même pas et tu t'en sors même comment avec elle. Je me plains pas, mais je prends du plaisir. Dieu me sait que tu sois arrivé juste au moment où on s'amusait. Tu m'as très bien entendu gémir. Elle me touchait exactement au bon endroit. Et je prenais mon pied. Oh, quand tu ne le sais pas, laisse-moi te le rappeler. Nous avons 210 millions de naira dans nos comptes chacun. Réfléchissons à quoi faire de cet argent. Cet argent ne peut être mangé. Jamais je n'ai vu quelqu'un mourir et on a posé l'argent sur la tombe de cette personne. Jamais. Écoute, je ne suis pas heureux. Ma joie n'est pas complète. Chugo n'est pas ici. Chugo me manque. J'ai besoin de Chugo. Ok? Maintenant tu vois pourquoi je te traite d'idiot. Comment quelqu'un à qui tu ne manques pas peut te manquer à ce point? Es-tu venu dans ce monde avec Chugo? As-tu gagné cet argent avec Chugo? Laisse-moi te dire, dans le cas où tu diras que je t'ai pas dit, que je t'ai pas donné cette information. J'ai pris la décision que j'achèterai tous les terrains du village. J'ai même contacté un agent immobilier pour qu'il me donne un coup de main. Au point où j'en suis maintenant, c'est d'aller faire des dons d'argent dans toutes les églises. En fait, je voudrais construire des églises avec mon agent. Comme ça, je serai l'homme le plus populaire dans le village. Et arrête de me parler de cette histoire de Chugo. Moi, je te parle de Chugo, toi, tu me parles d'argent. Mec, oublie cette... Quand je te parle... Oyenka, ok, voilà pourquoi tu m'as fait sauter de la chambre pendant que je m'amusais. Les ont-elles laissé rentrer? Va voir dans leur chambre. Et ils sont encore. D'accord. Laissez-moi vous bénir en retour. Hey! Ça, c'est pour Jeta. Ça, c'est pour toi. C'est bien d'avoir de l'argent, d'accord? Tout ça pour moi. Prenez soin de vous. Ayez l'air bien. Attends, tu vois ça? Tu vois... Je suis surprise. Je me suis fait de l'argent. Je suis ici pour rendre ma famille fière. Elle ne connaîtra plus jamais la souffrance dans leur vie. Elle ne connaîtra plus jamais la souffrance. Hey! Chugo! Cheta! Cheta! Chugo! Cheta! Ton frère est de retour! Ton frère est là! Va appeler maman! Dis à maman de venir! Je me suis fait de l'argent! Maman! Maman! Maman, viens! Maman, viens! Maman, viens! Maman, viens! J'ai brisé les chaînes de la pauvreté! Maman, j'ai brisé les chaînes de la pauvreté! J'étais de retour! Maman! Maman, viens, je veux que tu marches sur l'argent! Je veux que maman marche sur l'argent! Maman, voici l'argent! Je veux que tu marches sur l'argent, maman! Tu vas marcher sur l'argent! Jota s'est fait de l'argent! Maman, marche sur l'argent! Marche sur l'argent, maman! Jota s'est fait de l'argent! Maman, marche sur l'argent! La pauvreté est sous nos pieds! J'en ai fini avec la pauvreté! Maman, marche! Attends! La pauvreté est partie! Maman, voici l'argent! Maman, marche sur l'argent! C'est ça! Hey! Obiageli! Obiageli, viens! Je vais te porter! Je l'amènerai dans un meilleur hôpital en Europe! Elle ira dans les meilleures écoles! Obiageli! 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 Maman? Chugo? Où est Obiageli? Quelqu'un peut me parler? Où est Obiageli? Hey! Hey! Obiageli, où es-tu? Où es-tu, Obiageli? Où es-tu, Obiageli? À cause d'Obiageli, je me suis fait de l'argent. J'ai cherché pour qu'elle ne manque jamais de rien. Que quelqu'un me dise où? Où est Obiageli? Où est Obiageli? Maman, où est Obiageli? Maman, où est Obiageli? Hey! 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 À Togo, viens. À Chugo, viens. J'ai acheté cette voiture pour toi et maman. Je ne voudrais plus que quelqu'un pleure encore ici. Ce qui s'est passé avec Obiageli ne se reproduira plus jamais. Plus jamais dans cette famille. J'aimerais que tout le monde soit heureux. Maman et toi utiliserez cette voiture. Ce monsieur debout là-bas se nomme Charles. Il t'apprendra à conduire jusqu'à ce que tu te perfectionnes. Tout à fait. Est-ce que tu me suis? Cheta. Oui, petite sœur. Merci beaucoup. Tu as bien fait. Mais tu dois d'abord me dire la source de cette nouvelle richesse. Chugo, qu'est-ce que tu viens de dire? Chugo, reviens! Reviens ici! Charles, attends une minute. D'accord. Chugo! 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 Comment oses-tu me tourner le dos? Ne suis-je pas en train de te parler? Cheta, 21 jours. Ce fut 21 jours que Onyeka Okundele avait quitté ce village et était revenu avec de l'argent. C'est également les mêmes 21 jours que tu as fait hors d'ici et tu es revenu avec ton propre argent. Et pendant ce temps, ma soeur Obi est morte. Je te le demande, Cheta. As-tu quelque chose à voir avec la mort de ma soeur? Qu'est-il arrivé à ma soeur Obi? Tu oses m'accuser? Ne pose même pas ta main sur elle. Veux-tu la tuer comme tu as tué Obi? Hein? Quoi? Oui. Le pasteur nous a révélé toutes choses. Mais tu ne pouvais pas l'imaginer. Jusqu'à présent que tu es rentré, tu as commencé à arroser ton mystérieux argent. Maintenant, je crois que tu as tué Obi pour de vrai. Veux-tu disparaître avec ton argent sale? Nous ne voulons pas ton argent. Laisse-nous en paix. Cheta, va-t'en. Prends ton argent et va-t'en. Va-t'en avec ton argent. Ça va, ma fille. De Dieu. Mes affaires vont mal. Tu ne doutais, supermarchés vont bien. Je remercie Dieu qui t'a donné la capacité de les rendre numériques. Tu as été capable de sauvegarder tes affaires contre certaines idées frauduleuses. Mais je suis surpris quand tu me parles de quelqu'un qui est venu voler de l'argent parce que les paiements pour les achats dans le supermarché se font avec le carte de guichet automatique. Ça, c'est quand je communique avec eux au quotidien. Depuis 25 jours maintenant, mes téléphones ont été volés. Je n'ai pas pu communiquer. Et mon DM doit être inquiet, Steve. Bien sûr, je le sais. Ils seront inquiets, mais ta vie est importante ici. Ta vie est la plus importante. Nous avons pu échapper à certains dangers après les 21 jours de jeûne et prière. Mais il y a encore d'autres dangers à venir. Et jusqu'à ce que nous maîtrisions et écrasions ces dangers-là, tu ne partiras pas d'ici. Tu m'as écouté, n'est-ce pas? Oui. Merci. Ça, c'est bien. Je dois communiquer avec quelqu'un. Chugo. Onyeka. À cause de ma famille. Afin de les enlever de la pauvreté abjecte. Je suis allé voir Akata. Maintenant, ils ont rejeté cet argent. Le pire, c'est que Chugo, ma soeur de sang, m'accuse. Accuse Lili. On est à moi qu'elle parle pour quoi. Au sens d'une adèle dit Lili Belle. Que j'ai utilisé au Béguini. Pour de l'argent rituel. Quoi? Je te parle de ce qui s'est passé. Il y a quelque chose que tu as fait que j'ai pas aimé. Pourquoi n'as-tu pas payé la facture de l'hôpital? Sachant très bien que je n'étais pas là. J'ai essayé tout ce qui était possible, mais ta sœur a refusé que je le fasse. Tu fasses son insu, tu payes le docteur. C'est pas de l'argent dont ils ont besoin. Cela veut dire que tu ne connais pas ta sœur. Elle a demandé au docteur et aux infirmières de ne pas me laisser m'approcher d'eux. Djugo. Mon souci maintenant c'est... Comment vais-je faire pour les convaincre que l'argent que j'ai est légitime? Je suis d'accord avec toi. C'est là que je vais en venir. Tu vois, même si c'est des reproches mal placés, dans une situation comme celle-ci, tu sais pourquoi? Parce que Akata a dit que nous devons payer pour toute sa richesse. Elle ne peut rien te donner gratuitement. Oui. Maintenant, regarde ce que nous mène. Il a dit que nous devons le payer avec nos désirs les plus chers. Que nous désirons tant. Je ne comprends pas. D'accord, je te l'explique autrement. Encore a payé sa part avec la mort de ta sœur, Chugo. Malheureusement, je n'aime pas souvent parler de ma part. Parce que je ne sais même pas par où commencer, ni même par où je peux finir. J'ai payé avec ma virilité. Ce qui veut dire qu'au grand jamais, je ne pourrai jamais avoir un enfant. Et toi, tu as payé avec la vie de ta sœur. Et ta famille, elle restera toujours riche. Voilà. Finalement, tu comprends que toute chose a un prix. J'ai la pire chose. Non. Sais-tu pourquoi j'ai dit non? Parce que je sais que très bientôt, tu te marieras. Et la vie continue. Tu n'auras rien perdu parce que rien de grave ne t'est arrivé. Oui. Si je comprends bien ce que tu es en train de dire, c'est que je devrais abandonner ma soeur et ma mère. Je n'ai jamais dit ça. Mais voici ce que je veux dire. Ta soeur Chugo pourrait se marier demain. Probablement à Oufoua. Parce que je sais comment les choses évoluent entre ces deux-là. Et après ça, Chugo pourrait s'occuper de ta mère. Donc tu n'as rien perdu. Pourtant, regarde-moi. Je ne pourrais jamais avoir mon propre enfant. Je ne peux même pas utiliser mon engin. Pourquoi tu n'adoptes pas? Adopter quoi? Combien de fois t'ai-je demandé de ne plus prononcer ce nom en ma présence? Que veux-tu dire? Que tu n'es... Quoi? Tu viens de me gifler là? Non! Arrêtez, tous les deux! Arrêtez! Bien est temps pour nous deux de faire face à la réalité. Et arrêtez de s'embêter à propos de la vie. Passé, hein? C'est une longue histoire. Oh, tu m'as manqué. Allons-y, maman est à l'intérieur. Okay, on y va. J'ai essayé de t'appeler. Ça ne passait pas, je ne sais pas. Oui. I don't get there. I don't make money. This na big money. I don't make a more. Jay, 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 jay. Come see money. Jay, jay, jay. Come see money. Yeah, yeah, yeah. Na biggie, biggie money. I don't make money. I ain't go nowhere. Oyenko, eh? Cho cho cho. Oyenko, Oyenko, cho cho cho. Laissez-moi vous dire ce que vous ignorez, hein? La différence entre les garçons et les hommes est que les garçons farotent à nanambier, mais les hommes farotent à briques. Oui, vous voulez des liasses? Oui. Vous voulez des briques? Oui. Au départ. Hey, vous voulez des liasses? Je vise, oui. Je lance. Oui. Je papa. Vous voulez qu'elle lance? Je vise. Oui, oui. En fait, agenouillez-vous. À genoux. Voilà, allez-y. Allez-y. Je n'entends pas bien. Vous voulez la bride? Vous voulez l'alliance? Oui, oui, oui. Je continue. Oui, 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 oui. Je l'ai. Oui. Retenez bien ce qu'il a dit. Les garçons farotent en biais, mais les hommes farotent en briques. Ce n'est pas comme si Onyeka avait déjà payé sa dot. Il n'a même pas encore proposé. Je sais. Hein? On va arranger les choses. J'ai vraiment mal pour la mort de ta soeur. Hein? J'ai vraiment mal. Si tu m'avais dit, je l'aurais amenée dans un meilleur hôpital où on s'occuperait bien d'elle. Je t'ai appelé, non? C'est bon. On ne questionne pas Dieu. En toute chose, nous devons lui rendre grâce. Hein? Va t'apprêter. On ira à l'église ensemble. Maman, s'il te plaît, viens avec nous. C'est d'accord. C'est comme si les gens font les chants derrière ta maison. Oh, ça, ce sont les gens dont tu entends les voix. Ok. Ah... Ok, je savais pas. Oui, je sais. Mais tu sais, non, tu sais. Petit enfoiré! Petit enfoiré! Combien de fois est-ce que je t'avertis? Hein? Ne t'ai-je pas averti? Hein? Ne t'ai-je pas averti? Arrête ça, Onyeka! Tu es malade! Arrête ça! Tu es dingue! Onyeka! Laisse mon amour tranquille! Laisse-le tranquille! Je t'avertis! Laisse mon amour tranquille! Onyeka! Laisse... Hein? Laisse ma meuf tranquille! Elle n'est pas ta femme. Chugo est à moi. Tu jamais vu! Tu jamais vu! Alors tu vas aller chercher la tienne. Après tout ce que je t'ai fait! Après tout ce que je t'ai fait, tu as encore le cran de venir ici. Donc c'était toi. Hein? C'était toi. Ok. Laisse-moi te dire ce que tu ignores. Ils reviendront pour toi. Et cette fois-ci, crois-moi, tu ne survivras pas. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Le Seigneur de l'argent ou quoi? Ça, c'est de la racaille. Regarde ce que tu conduis. Transporteur de marchandises. Du sang de bas en bas, du blanc en haut, c'est une voiture de marchandises. Je peux l'offrir au transporteur et rembourser ton argent ici. Tu es malade, laisse-moi te dire, Onyankuna Nowa n'est pas non négligé. Et crois-moi, c'est pas terminé. Tu auras affaire à moi. Même égal, on a donné ça à Nyapoa là. Tu auras affaire à moi. Dis donc, allons-nous-en. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Tu ne vas pas le suivre. Ferme-la. Ferme ta bouche. Ritualiste. Laisse-moi te dire ce que tu ne sais pas. Tu vois ce village? Ce village sera très petit pour toi et moi. Fais-moi confiance. Cette communauté sera trop petite pour toi et moi. Comment oses-tu? Comment oses-tu appeler à Kouilili un ritualiste? Tu as perdu la tête. C'est une personne qui doit sortir de cette maison. T'es bel et bien toi. Je suis l'homme de cette maison. Espèce de stupide. Écoute, tu ne parles pas comme ça. Hé! Hé! Tu comprends? Hé! Reste en dehors de ça. S'il te plaît. Tu m'entends? Reste en dehors de ça. Gère tes affaires. Ça va. Je vais te dire un truc. Personne ne peut se lever contre lui. Personne ne se lève contre lui. Et tu laisses ta tête. Et tu laisses ta tête. Et tu laisses ta tête. Tu me défies. Moi, Onyankuna Nowa. Écoute, c'est pas terminé jusqu'à ce que ça se termine. C'est pas la fin jusqu'à ce que ce soit la fin. C'est la fin qui justifie les moyens. Je suis désolée, Je suis désolée. Maman, crois-moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour l'amour que j'ai pour cette famille. Pour être capable de payer les médicaments de Obiageli. Je n'ai jamais pensé qu'elle allait mourir avant que je ne vienne. S'il te plaît, pardonne-moi. Cheta, tu es mon fils. Je veux dire, mon seul fils. Alors, pourquoi ne te pardonnerais-je pas? Je peux te pardonner. Mais s'il te plaît, Jota. Tu prendras cet argent qui t'appartient. Cet argent du sang qui est le tien. Et dépense-le pour quelqu'un d'autre. Amène cela quelque part. Nous ne le voulons pas ici. Nous n'en avons pas besoin. Chugo, je ne vais pas m'adresser à toi. Tu es une petite fille. Maman, ce que je dis, c'est que je me suis fait beaucoup d'argent. Tellement d'argent. L'argent est ici, maintenant. Tu vois cette concession? Je vais la démolir et l'élever à une très grande dimension. Je t'achèterai une voiture et te donner un chauffeur pour te conduire. Tout ça, je le ferai. Cheta, je mangeais avant aujourd'hui. Et même si nous n'avons pas d'argent, je ne mendie pas chez les gens pour manger. Tu veux détruire la maison que mon mari a construite. S'il te plaît, je n'ai pas besoin de ton aide. Je n'ai pas besoin de ta voiture ou de n'importe quel chauffeur dont tu parles. Je n'en ai pas besoin. C'est de l'argent sale dont on parle ici. C'est de l'argent sale. Chugo, laisse-moi te poser une question. C'est au fond moi que tu suis un peu partout. As-tu pensé pour une fois d'où vient la source de son argent? L'as-tu? Cheta, au fond moi, est un véritable homme d'affaires. Et non un ritualiste. Il n'a pas eu son argent à travers des rituels. Chogo, tu ne sais rien, c'est au-delà de toi. Bref, ma mère et moi, nous allons l'accompagner à l'église aujourd'hui. Le suivre à l'église, au fond moi. Non, ce n'est pas une église, vous suivez au fond moi dans un temple. Je le connais très bien. Il part au temple 2 fois par semaine pour effectuer des rituels. Alors il ne peut pas vous amener là-bas. Je connais au fond moi. Maman, ce que je dis, c'est que je me suis fait beaucoup d'argent. Dépensons cet argent. Je l'ai fait à cause de toi. Et Djugo. C'est malheureux que Obiageli n'existe plus. Profitons de cet argent. Ngam Miese. Cheta, nous sommes ici depuis un moment. S'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. Je vois que tu profites à fond de notre situation. Pourquoi pas? Akuriri, on s'amuse. On consomme vraiment de l'argent. Ça, c'est notre moment. Souviens-toi, Kakata a dit Ewello, on a tué. Ewello, papa, on a tué Faba Faba. Mania Abanye. Je profite du bon temps. Tu profites du bon moment. Tu profites de notre situation sans ta virilité. Akuri. Je voudrais plus que tu te fasses du souci. Non, dis-moi. À quoi ça servirait que mon engin soit intact sans avoir le bon goût de la vie? Je sais que la Bible dit que nous devons aller à travers le monde et se multiplier. Pourquoi faire des enfants si tu ne peux pas t'en occuper? Tu peux pas leur donner une bonne éducation. Tu peux bien les nourrir. Tu peux pas être fier d'un public. À quoi ça sert? Dis-moi. Je ne voudrais plus jamais que ça me dérange. Vraiment. Attends que je te surprenne un tout petit peu. Alors nous parlons. J'ai environ 25 parcelles de terrain dans ce village. Tu connais mon histoire avant maintenant. Tu sais très bien que mon oncle a vendu les terrains de mon père. Après la mort de ce dernier. Maintenant regarde-moi. Je vis l'aisance. Je vis bien. Mon plan maintenant c'est de m'assurer que je récupère l'un de mes terrains. Et de bâtir un très grand château. Comme ça, quiconque verra ce château comprendra qu'il y a quelqu'un de grand qui vit là-dedans. Je vais créer une statuette à mon effigie. Écrit Ngo à mon mésé. Sur l'autre, je construirai un très grand hôtel. Même les Blancs seront tentés de quitter de leur pays pour venir s'amuser dans cet hôtel. Ensuite, je me mettrai à chercher les pauvres gens parce que j'ai été comme eux. Et construire une usine qui fabriquera toutes sortes de choses pour pouvoir aider les pauvres gens. C'est quoi la nécessité d'avoir tout cet argent? Et pour finir, mon nom se retrouvera partout, sera scandé partout. Nkoa mon meze. Voilà en quelque sorte le but de l'argent que nous avons. Comme meze, tu as droit à ta propre opinion. Oui. Mais laisse-moi te dire ceci. Je vais remettre tout l'argent d'Akata, je n'en veux plus. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu m'as entendu. Tu rigoles? Je vais te dire un truc. Je ne peux pas avoir de l'argent sans que ma famille n'en bénéficie. Non, je me suis rendu là-bas tout simplement à cause d'eux. Et une seule chose que j'ai dans ce monde. Je suis parti en voyage juste pour 21 jours. En revenant, ma sœur que j'aime tellement est morte pendant le processus. Maintenant, ma famille nous a rejetés, moi et mon argent. Ok, Lily. Je compatis avec toi. Mais, souviens-toi que j'étais celui qui t'avait amené chez Akata pour que tu deviennes riche. Et tu te souviens des paroles d'Akata. Si tu veux, tu peux rembourser tout l'argent, même jusqu'à ton slip. Akata ne peut pas voir le pacte que tu as signé avec lui. J'espère que tu te rappelles très bien. Laisse-moi le lui remettre d'abord. Alors je recevrai le châtiment de Dieu, afin qu'il me pardonne et que ma famille m'aime à nouveau. C'est ça que j'ai envie de faire. Tu m'as compris, là? Je te laisse. À plus. Ok, Réuri. Sais-tu la merde dans laquelle tu te trouves? Tout puissant. Donc tu veux dire que je ne peux pas récupérer ma Chugo? Ah non, 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 non. Tu ne peux pas. Et si je te rembourse l'argent que tu m'as donné? Tu ne peux toujours pas? Si je ne peux pas avoir Chugo, personne ne devrait donc l'avoir. Cela veut dire que tu m'aideras à éliminer tous ceux qui l'approcheront. Commençant par ce fameux Oufoua. C'est lui qui me l'a arraché. Qui? Le fameux Oufoua. Celui-ci? Oui. Celui-là. C'est lui. Il n'est pas à moi. Il a lui-même fait son argent. Il n'est jamais venu ici. Nous ne pouvons pas aller à la croisade. Il y a du danger. Levez-vous, nous allons prier. Nous allons prier. Levez-vous, nous allons prier. Nous devons prier. La Bible dit que par une seule voix, ils vont se rassembler. Mais si le rassemblement n'est pas du Seigneur, par cette bonne voie, ils seront dispersés. Alors ouvrez vos bouches et priez. Priez contre le rassemblement. Ouvrez vos bouches et priez contre le rassemblement. Priez contre le rassemblement. La Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, pour ceux qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit. Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus nous a libérés de la loi de la mort. Allez-y et priez. Allez-y et priez. Allez-y et priez. Dieu invoque ton feu. Tu as pris ta décision? Oui, ma décision est prise. Je veux qu'il soit éliminé. Priez. Oufoua, agenouille-toi et te fais brûler d'onction. Tu as besoin d'être levé par cet esprit. Alors agenouille-toi. Je te oins dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et j'invoque sur toi le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Allez-y, priez. Ouvrez vos bouches et priez. Parce que le sang de Jésus est le sang qui parle à notre faveur. Le sang de Jésus-Christ est le sang qui parle de bonnes choses. Plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ dit: Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais le sang d'Abel appelle pour la vengeance. Aujourd'hui, tu es lavé, tu es purifié. Toute épée forgée contre toi sera sans effet. Je condamne toute langue qui se lève contre toi en jugement, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es ici pour rendre ta fortune? Oui. Tu aimes ta famille? Ça veut dire que tu veux demeurer pauvre pour le restant de ta vie? Je ne peux pas avoir de l'argent avec le sang de ma propre sœur. Bref, avec le sang de n'importe qui. Pour moi, ma famille est plus que le monde entier. Je les chéris plus que tout. C'est votre choix. Attendez. Prends cette épée et fais-le maintenant ou jamais. Maintenant, fais-le. Non. Jésus. Jésus! Le ciel les détruit maintenant! Le ciel les détruit maintenant! Je les vois se disperser! Alléluia! Au nom de Jésus! Alléluia. Le diable est détruit. Le diable est finalement détruit. La Bible dit que Jésus-Christ a publiquement livré le diable en spectacle, en triomphant de lui en toutes choses. Alléluia. Pourquoi tu peux te lever? Lève-toi. Tiens-toi debout. Lève-toi. Jésus a tout vaincu. Amen. Il les a détruits. Amen. La bataille a été conquise. Amen. La bataille a été gagnée. Amen. Le pouvoir de l'ennemi a été écrasé. Amen. Par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, nous pouvons nous préparer pour la croisade. Et après la croisade, demain, vous pourrez rentrer dans vos maisons. Amen. Le Seigneur vit en nous maintenant. Amen. Soyez libres, le Seigneur est avec vous. Amen. Le Seigneur est avec vous. Amen. Le Seigneur est avec vous. Amen. Alléluia. Merci Amen. Seigneur. Le Seigneur a fait de vous son sanctuaire. Amen. Tu es le sanctuaire du Dieu puissant. Jésus-Christ habite en toi. Le Dieu tout-puissant habite en toi. Amen. Il dit que tout ce que tes mains touchent à faire prospérera. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. S'il te plaît, tu dois reprendre ton fils chez toi-même. Accepte-le, accueille-le. Toute œuvre de l'ennemi dans sa vie a été détruite. Alléluia. Il est maintenant sanctifié dans le Seigneur. Amen. Merci Jésus. Merci beaucoup, Père. Oh, ouais, le chien. C'est le mensonge. I don't go there. I don't make money. This na big money. I don't make a money. Jay. Come see money. Jay. Come see money. Yeah. Na big money. Hey. Hia. Elle était ici la nuit dernière, non? Ah ah. Comment quelqu'un peut se ramener ici et prendre la voiture sans te trouver prévenir, non? Déjà même la clé. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Oh, mais le gars là. Directeur! 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 Hey, excuse-moi, où est ton directeur? Mon ami, on va payer cet idiot! On va passer la voiture! Après moi, cette stupide idiot! Hey! L'argent! Je sais ce que tu peux faire. Richesse inépuisable. Je sais que c'est impossible. Quelqu'un t'a fait quoi? Non. Eh ouais, loup, onotier, ça peut pas être suffisant. C'est toujours suffisant. Même quand il y en a une nana, tu te rends compte, là-bas ils disent que mon cuisine était suffisant. Ils disent que ma carte ne fonctionne pas. Tu te rends compte, ils disent que eh ouais, loup, onotier était suffisant. Non, c'était impossible. Hey, non, c'est encore peut-être que ça va marcher. J'ai nettoyé la carte là. Non. Ha! Eh ouais, loup, onotier. C'est ça que je sais m'intéresser ça parce que les gens sont là. Voilà, peut-être que j'ai entré le mauvais code. Eh ouais, loup, on a tué au dogo dago. Eh nye. Ah, vas-y, donne mon argent, c'est quoi? Mon frère, tu vas pas retirer. Parce que j'arrive pas à comprendre ça. Tu te rends compte, ils disent que Ewelou Onoche n'a pas d'argent. Ewelou Onoche n'est jamais à coup d'argent. Il a toujours de l'argent. Même lorsqu'il y a des problèmes de réseau. Tu peux pas comprendre. J'ai essayé, je sais pas pourquoi. Ne même pas ta carte ici, c'est ça qui a volé ta carte. Attends, je vais essayer un autre endroit. Jota, viens. Tu peux faire un retrait? Cheta, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il au juste? Tu n'as pas idée de la honte que j'ai reçue là-bas à l'hôtel. Sais-tu que le directeur de l'hôtel est venu dans ma chambre pour m'en parler? Il a ouvert sa sale bouche pour me dire que l'argent que je lui ai donné la nuit dernière était faux. Je lui ai dit que c'était pas un problème et que j'allais gérer ça. Voilà le moment où je descends prendre mon véhicule pour aller à la banque et les payer. Je ne vois plus le véhicule. C'est impossible qu'on y ait qu'à bien à l'hôtel pour prendre mon véhicule sans toutefois me prévenir. Que se passe-t-il? Okundele, je t'ai prévenu de tout ça avant. Je t'ai prévenu. Viens avec moi. Non, attends un peu, attends un peu. Écoute, viens avec moi. Bonjour. Je sais que je vous ai déçu. J'ai déçu cette famille. S'il vous plaît, trouvez un moyen dans votre cas pour me pardonner. C'était l'œuvre du diable. Vous savez, la pauvreté était tellement forte que je ne pouvais pas la supporter. Il fallait que je fasse quelque chose. Mais je suis désolé. Je suis désolé. En tout cas, ça va. Ce qui s'est passé, s'est passé. Je prie juste que ça ne se répète plus. Jamais, Ça ne pourra plus jamais se reproduire. Djugo. Mmh. Ça va. Je suis désolé. Ça va les grands frères, ça va. Maman. Offre-moi. Salut. Vraiment. Bienvenue. Now. Hein? Sois le bienvenu. Okay. Bienvenue. Offre-moi. Je suis très content que tu sois venu au bon moment. Je veux dire tout ceci pour que tout le monde entende. Avoue-moi. Okundele a fait savoir que tu es un ritualiste. Les enfants, pardon, où est la concession de chef au Cafard? Hey, c'est un ritualiste! C'est un ritualiste! Hey, c'est un ritualiste! Hey, hey, quoi? Trois l'avons fait. Mais lorsque nous avons rencontré Akata, nous avons réalisé que tu étais innocent de toutes ces accusations. Je t'en prie, trouve un moyen dans ton cœur de me pardonner. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est bon. Bien. La vie continue. Mais je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, devant ta famille. Oui. Je vais te rendre riche. Je vais faire de toi un grand garçon. Hein? Hein? Je vais te faire voir de l'argent. Hey! J'arrive pas à croire. Hey! Tu n'es que moi. Ça, j'aurais jamais pensé à ça. Mais qui aurait cru? Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Emma. Emma. Donc, tu as vu ça, non? Vous voyez, on a passé le temps parce qu'il y a quelque chose de très important que j'ai envie de faire. Vite et aussi vite que possible. Je viendrai avec ma famille pour payer la dot de Chugo. Encore une nouvelle. Allons à l'intérieur. Allons-y. Hey! Mama! Hey! Now I go tell her this life love. Abalo, anati, abalo, anati, abalo, anati, abalo, anati, abalo, anati, anati. C'est pas ça. C'est vous dégoût, bagou. Et puis vous êtes bagé. Non, abou baissé. Dégoût, 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 dégoût. Oh, yeah. Yeah.